Um, good afternoon and a very, well, very warm welcome to everyone here in the room. And also, thank you for joining online for the launch of the 2023 Africa Polis revision and update. I'm Philip Heinrichs, the head of unit at the, the SALM West Africa Club for cities and territories. I will quickly go over the order of play this afternoon before handing over to our speakers. And the first in line is Madame Sori the honorary president of the SWAC, and who will say a few words on the club's work on Africa Polis. This will be followed by Lucas Luscher, Deputy Head of Section at the Swiss Agency for Development and Cooperation, for some introductory remarks. Then we are very pleased to have with us Mr. Luc Nakaja, founder and president of the Think and Do Tank Governance and Policies for Sustainable Development. And prior to that, the Executive Secretary at the United Nations uh, Convention to Combat Desertification, and also former Minister of Environment, Housing and Urban Planning in Bena, who will give a keynote presentation on the broad topic of getting urbanization right in Africa, to provide context, ambition, and vision and vision for the very passionate topic of Africa's cities and urbanization. Then we will have the presentation from the Africa Polis team, Francois Moriconi from the Geopolis Institute and research director at the CNRS and Patrick Lampson-Hall from the and West Africa Club to present the key findings from the 2023 update. By fear of forgetting it at the end, which happened already before, given the interesting discussions that will come, I would like to thank the entire Africa Polis team, for, for the incredibly hard and long work they have put in in the last couple of weeks to, to get everything done for today. You know who I mean, thank you very much. Following this, we will have two presentations to talk about using data, from data to policy and data gaps. And there will be first Iris Wilhelm, Policy Advisor at DGAZ and the sector program CITIES. Uh, and this will be followed by my colleague, uh, Brille Andersen uh, here from the South West Africa Club Secretariat. After these presentations, we will change the people around sitting on the table and we will have a really interesting policy panel afterwards. And spoiler alert, we're going to talk about the continued fast pace of urbanization in Africa. And there will also be plenty of time to 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 participate in, in the questions here in the room, but also online. And for people online, you will have to raise your hands to join in the discussions. So I'm done madame Sori Merci beaucoup Philippe. Je voulais ici saluer tous ceux qui ont répondu à notre invitation pour être là à cette activité très importante. Je voudrais remercier les panélistes qui sont là et qui vont aussi intervenir sur la question. Et comme on l'a dit ce matin, c'est un travail important qui a été fait. Il y a eu des discussions introductives qui ont été déjà faites ce matin pour ceux qui étaient là. Et je n'aimerais pas monopoliser la parole. C'est donc aller directement dans le vif du sujet parce que nous allons donc procéder au lancement d'Africa Police. Qui est un travail très important. C'est en fait le police, c'est pas c'est pas la police, mais ça C'est exactement c'est la police que ça fait <laughs> dans le domaine qui est le nôtre. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole. à Lucas, si do you want to take the floor, please? Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, euh, Messieurs dames, merci pour votre participation. J'ai l'honneur de dire quelques mots. Euh, euh, en représentant ici la, la coopération suisse et euh, vu qu'un des focus de notre soutien au Club du Sahel c'est justement ce travail qui, qui va être présenté cet après-midi euh, je crois Africa Police euh, c'est euh, un exercice extrêmement important euh, pour, pour, pour accompagner toute cette dynamique d'urbanisation et, et ce qu'on qu fait avec et, et un des atouts que je vois notamment c'est euh, le focus non seulement sur les, les, les villes de, de, de moyenne et grande taille mais aussi sur le focus sur des villes de plus petite taille ce qui permet de, de aussi mieux anticiper les les, les, les dynamiques en, en termes d'urbanisation euh, depuis depuis le début donc je crois que ça c'est quelque chose qui est vraiment euh, un atout de cette plateforme Um, J'aimerais faire le, un peu le, le lien avec, euh, entre l'urbanisation et, et aussi euh, le, le travail qu'on qu qu fait nous euh, en, en tant qu'agence que, um, de, de développement en Afrique de l'Ouest. Donc, donc, je crois déjà en notant que l'urbanisation, c'est une réalité, donc qu'on qu qu on, qu on veuille que ça, que, que ça se passe ou pas, c'est une réalité. Um, après, euh, on a vu déjà ce matin pour ceux qui étaient là que voilà, il y, y a beaucoup d'opportunités qui se présentent avec l'urbanisation en termes de, de meilleures opportunités d'emploi, euh, meilleur accès aux, aux services de base, etc. Euh, en même temps, à chaque voyage aussi que je fais dans la région, euh, je note aussi les, les grandes vulnérabilités de, de, des villes, euh, des villes africaines. Euh, il y, a, il y a plusieurs il y a plusieurs aspects là mais, mais un, ça peut être des, des aspects de sécurité euh, on en a discuté ce matin donc euh, des tendances à, de certains groupes à vouloir étoffer les villes en, en attaquant les axes d'accès après aussi des vulnérabilités euh, plus quotidiennes comme, comme euh, question d'infrastructure euh, question de résilience euh, à, à des pluies, euh, etc. Euh, donc j'ai vu ça maintes fois qu'il suffit une, une petite pluie pour que euh, voilà les transports soient bloqués et, et beaucoup de gens ne peuvent pas aller à leur travail comme ils veulent vu que les infrastructures sont justement pas dans un état pour pour accueillir tous les gens qui, qui vivent déjà dans ces villes-là. Donc beaucoup de vulnérabilités. Je crois qu'on doit toujours aussi avoir en, en tête euh, tout en parlant de, de toutes les opportunités. Euh, je crois qu'il y a, y a, y a pour, pour tout ce qui est euh, tendance à une, une urbanisation dans, dans les périphéries des villes, il euh, y, y a beaucoup de questions qu'on qu doit se poser en tant que coopérant. Euh, donc des questions que je prends avec moi sans nécessairement avoir les réponses. Mais une, une des questions qui se pose, c'est que est-ce que le, le focus des agences de développement euh, envers euh, les, les, les régions plutôt rurales Um, est-ce que ce focus il, il est choisi correctement ou est-ce que effectivement il faudrait avoir un focus plus par exemple sur les, les régions périphériques des villes là où il y a un développement à anticiper des gens qui vont arriver um, des infrastructures à mettre en place de, de, de la gouvernance extra um, donc toutes ces questions du focus géographique et en même temps ça questionne aussi un peu notre monde à des fois parce que, d'un côté, on, on essaye d'attaquer euh, la pauvreté là où elle est, elle est la plus grande, et, et souvent c'est vraiment dans, dans les régions euh, un peu plus lointaines des capitales, euh, alors que euh, c'est des, des besoins imminents, mais en même temps, euh, en anticipant les besoins futurs dans les villes et les périphéries de villes, je crois, on pourrait aussi avoir un impact assez important sur la lutte contre la pauvreté. Euh, je crois qu'il y, y a aussi un autre défi. Donc, tout en voyant les, les différents besoins de, de développement rural euh, par dév développement urbain, euh, il se pose nécessairement aussi la question des ressources. Donc, qui, qui, qui peut amener les, les ressources financières? Est-ce que l'État est en, en, en mesure de faire ça? Quelle est la partie qu'il qui faut, qui, qui faut peut-être euh, rajouter d'un côté? Euh, partenaires internationaux. Euh, donc là aussi, la question des ressources souvent fait qu'on on fait les choix qu'on qu fait euh, tout en voyant les besoins euh, qui, qui, qui sont là, mais on n'a pas toujours la mesure de répondre tout de suite. Donc, euh, j'aimerais terminer par quelque chose qui a été dit par un collègue ce matin, c'est de, de ruraliser les, les projets euh, urbains, donc ce qu'on fait plutôt dans des régions urbaines tout en euh, tout en urbanisant les projets euh, euh, ru, euh, dans les régions rurales donc de, de penser dans les deux sens euh, les, les tendances de, de migration euh, et, 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 et les tendances les besoins des marchés donc les produits qui, qui sont qui, qui viennent des, des régions rurales mais qui doivent se vendre dans les dans les villes là je crois il y a beaucoup de beaucoup à faire ou nous, par exemple, comme, comme agence de développement, on peut intervenir et on peut euh, être, euh, de, apporter un soutien. Je termine par euh, remercier les collègues du Club du Sahel euh, et de l'Afrique de l'Ouest pour tout le travail euh, qu'ils ont effectué sur ces thématiques très importantes et très orientées vers le futur. Merci. Je voudrais à votre nom à tous. Euh remercier Lucas Duce, qui est de la direction de développement et de la coopération suisse, pour euh, les mots qu'il a prononcés tout à l'heure et nous rappelant que nous le voulions ou pas, les villes se développent de plus en plus dans nos environnements, qu'il y a donc des défis qui sont réels. Ce matin, nous avons parlé, par exemple, de défis de mobilité. Mais qu'en même temps, donc, euh, il est difficile certaines fois pour les, les décideurs politiques de faire un arbitrage. Faut-il investir euh, dans les villes faut il investir euh, seulement dans le monde rural Dans tous les cas, il y a une interaction très claire entre les villes et les campagnes. Et c'est pour cela donc euh, que je vais donc euh, passer la parole aux différents membres du panel, et à commencer par euh, le ministre Luc Nyakadja. Qui est le fondateur et président du Think and Do Tank, GPS Dev, gouvernance et politique pour le développement durable? Il est aussi ancien secrétaire exécutif de la CNU-LCD. J'ai déjà dit qu'il a été ministre de l'Environnement et du Logement et de l'Urbanisme de son pays, le Bénin. Et si vous êtes prêt, la parole est à vous. Merci. Merci Madame la Présidente et merci à, à tous. C'est un moment euh, privilégié pour moi d'avoir à partager avec vous euh, quelques réflexions sur la question de, de l'urbanisation. Et je voudrais à l'entame insister sur comment je vois le sujet. Réussir l'urbanisation en Afrique pour moi, c'est transformer les informalités urbaines en atout. Et c'est de ça que je veux parler transformer les informalités urbaines en atout. Euh, et vous verrez pourquoi est-ce que pour moi, c'est c'est vraiment le, le, le focus. L'Afrique, c'est vrai, euh, s'urbanise très vite et le train d'urbanisation va quasiment plus vite que tout, plus vite que euh, la capacité d'investissement dans les infrastructures, euh, plus, plus vite que le, les, les services urbains et j'en passe. En fait, on note qu'en 70 ans, la population urbaine a été multipliée par 20 en Afrique. Mais ce qu'on note depuis récemment, c'est que 97% des zones urbaines africaines sont surtout des villes d'entre de 10 000 et 300 000 habitants. Et or, parfois, il y a des biais de, de perception sur où est-ce qu'il faut agir quand on parle d'urbanisation. On verra tout à l'heure pourquoi. Et un autre paramètre, c'est que euh, l'urbanisation, telle que traduite par les statistiques nationales, est très en retard par rapport à la réalité. C'est en cela que, encore une fois, je félicite le travail de, à, à Afri -polis et Africapolis et je, je, je dois dire, moi, j'utilise vos travaux, je voudrais vous remercier pour ce que vous faites. Et l'un des biais que vos travaux permettent de, euh, de relever et certainement de faire rentrer dans l'histoire, c'est, qu'on a toujours pensé que l'urbanisation en Afrique est le fait de l'exode rural. Mais aujourd'hui, on sait que la population urbaine elle-même croît plus vite que l'apport de population qui vient des, euh, du secteur rural, ou de, 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 du milieu rural, je voulais dire. Donc, voilà la, le, le visage de, de l'urbanisation en Afrique. Un continent qui s'urbanise rapidement et qui accumule les risques liés. L'urbanisation. Et cela est dû à une, à une politique de laisser faire qui a surtout commencé avec la, la crise économique des années 80, où les investissements en milieu ur ur urbain euh, ont été l'une des variables d'ajustement. De fait, euh, moi, je suis devenu ministre de, en 99. et en 99, l'investissement public en milieu urbain per capita Per capital urbain au Bénin n'était que de 6 euros par personne et par an. Que peut-on faire avec ça? Et même si pendant les six années que j'y ai passé, ce, ces investissements ont été multipliés par 5, ça ne fait que 30 euros par personne. On est loin loin du compte. Donc il faut imaginer, cette urbanisation a créé beaucoup de fragmentation. Et ces fragmentations-là ont eu leur réponse par ce qu'on a appelé après des euh, parce qu'on a appelé après des, euh, des un truc de mémoire ce qui dans la ville ne correspond pas à la perception qu'on a en, en général en, en matière de, de, de planification la ville africaine elle est d'abord informelle elle est d'abord informelle et si que moi je retiens c'est le pourcentage 60% la, la ville africaine est en moyenne très jeune à 60% en gros la population est euh, euh, plus euh, à moins de 25 ans et que vous prenez l'habitat que l'économie que vous prenez les systèmes de, de gouvernance ils sont fragmentés et informels et informels et fragmentés donc les informalités urbaines nourrissent la fragmentation et la fragmentation nourrit les informalités et vice versa alors voilà. Puis, euh, oups, non, je suis allé trop vite. Voilà. J'ai structuré, j'ai réparti vu par moi, vu par moi, et par l'expérience que j'ai de la chose, les défis qui sont communs aux villes africaines. J'en ai listé sept. Euh, il y a que, bien sûr, elles abritent plus de 50% du PIB euh, du continent, avec en gros 44% de la population, mais la population est, est très jeune. Les informalités urbaines l'emportent sur le secteur formel et le secteur et la perception du formel ou la logique du formel guide toujours les investissements publics en milieu urbain. Il y a un étalement accéléré. Dans certains pays, c'est 90% de la population de la croissance urbaine qui va dans les zones dites périurbaines, des zones dites informelles, des zones dites précaires. 90% dans, dans dans certains pays. Il y a la macrocéphalie des, des villes capitales. Il faut penser que Bamako, à un moment donné, absorbait plus de 115 de l'investissement euh, euh, public en, en milieu urbain. Et on peut par là déduire qu'il y avait très peu d'investissement dans les autres villes et forcément moins de présence d'État. Ceci peut expliquer euh, cela. Il y a la grande vulnérabilité, vulnérabilité aux chocs en général et aux chocs climatiques en particulier. Et cette vulnérabilité-là, elle est systémique du fait même que euh, ces, ces établissements euh, dits périphériques se sont installés euh, sans infrastructures et sans les atouts qui permettent à la ville d'être résiliente. Il y a la, la faiblesse institutionnelle qui est vraiment un handicap rédhibitoire. Et la plus grande des insécurités urbaines, c'est l'insécurité foncière, qui en réalité justifie pratiquement ou détermine ou amplifie les autres formes d'insécurité qu'on peut avoir. Alors, cela dit, les informalités ne viennent qu'avec des défis. Mais même s'il est important de retenir les défis, fragmentation, j'en ai parlé, concentration dans les périphéries qui sont des zones de vulnérabilité, et aussi cette per perception qui est juste, mais parfois aussi fausse, que ces Informalité égale pauvreté, égale vulnérabilité, exclusion sociale. Peu ou pas de services urbains. C'est vrai, mais parfois c'est une, euh, une réalité qui demeure. Prenez par exemple la, la COVID. Si on prend les zones euh, euh, qui, périphériques, précaires, tout ce que vous voulez, euh, ne pouvaient pas respecter la distanciation physique, on peut se demander encore à ce jour comment être résiliente face à la, à la COVID. Ce sont des bonnes questions qu'il faut se poser pour pouvoir mieux agir et investir dans les zones euh, dites euh, Périphérique. Alors, les informalités représentent aussi des opportunités. Euh, en fait, le potentiel que moi je vois, c'est, je veux m'assurer que voilà, le, le potentiel qu'on peut y trouver, ce sont des, en particulier l'entrepreneuriat euh, et la création d'emplois. Le, les informalités, en fait, comme j'ai dit, les, ont été des formes d'adaptation, euh, des réponses euh, bottom-up à des situations de fragmentation. Et de ce fait, ça génère une grande agilité, ça génère une grande capacité d'innovation et ça aussi potentiellement une aptitude à de la réhabilitation urbaine tant que ce soit perçu comme tel. Et quand on en dit ça, on pose la vraie question quelle stratégie et quelle solution innovante pour capitaliser les informalités C'est ce que nous n'avons pas su faire et c'est ce qu'il nous faudra faire. Alors, pour le faire, il faut se poser la bonne question, à mon avis. Quelle est la raison d'être des villes africaines dans le contexte de ce qu'il est convenu d'appeler l'Afrique que nous voulons? Vous connaissez l'agenda de l'Union africaine de 2063, où il, est, il a été clairement défini l'Afrique que nous voulons. Quel est le rôle des villes dans l'Afrique que nous voulons? On peut imaginer que la, la ville, dans un tel contexte, doit avoir les fonctions suivantes. La ville doit être un centre de mutualisation de l'accès aux services et aux fonctions euh, publiques. Le service public, la ville est un lieu où cela est mutualisé. La ville doit prendre d'innovation, de valeur, de transformation des produits de son territoire au avantage des habitants du territoire. La ville doit d'efficacité, de compétitivité, de résilience pour les écosystèmes et pour les économies. Donc, et enfin, fait, la ville doit citoyens à d'autres territoires. Enfin, il y a un aspect qu'il qu ne faut pas euh, oublier. Et je, je suis reconnaissant à Africa Police pour avoir mis cela en exergue. Hein, les agglomérations frontalières, c'est 40% de la population urbaine en Afrique, mais les, les agglomérations frontalières ont un potentiel. Si les pays s'accordent pour faire des investissements complémentaires sur cette agglomération-là, il y a un potentiel pour apporter des réponses pertinentes qui vont améliorer accélérer l'intégration régionale c'est ça le potentiel que euh, les, les, la raison d'être de la ville peut apporter alors quand on en dit ça il faut on peut s'accorder qu'il faut avoir le courage de repenser la ville de ne pas perpétuer ce, la, la manière dont on a toujours planifié euh, quelqu'un a dit tout à l'heure j'aime bien ça en quoi c'est Patrick qui a dit ça il a dit euh, la c'est une réminiscence de, de, de la planification centralisée à la limite à la soviétique et on perpétue cela. Quand on a dit ça, on peut se rendre compte combien cela est hors conteste de nos jours. Donc, le défi central pour oser, à mon avis, c'est comment transformer les informalités en atout. Il faut garder à l'esprit que il s'agit d'amener de l'urbanité dans 60% au moins autant en territoire qu'en population pour la ville tout en captant l'agilité la capacité à l'innovation des, des informalités urbaines donc faire cela c'est véritablement amener la ville à jouer son rôle pour sa population et pour son territoire c'est je voudrais proposer cette piste je, je... Par définition, j'estime que le copier-coller est une mauvaise réponse. Il y a des choses à apprendre ici et là, des choses à, dont, dont on pourrait s'inspirer. Il y a comme porte d'entrée à contextualiser la nécessité d'assurer une planification, une gestion urbaine dynamique, inclusive, aussi légère que possible et aussi proche que possible des populations. Les, vous avez vu les cercles qui sont rouges ont quelque chose en commun, la couleur, je vous dirai pourquoi. Il faudra développer une administration foncière dynamique. J'appelle ça plutôt une gouvernance foncière, parce qu'elle est administration foncière pour la ville, et elle est gouvernance foncière pour le territoire. Donc, il faudra développer cela. Il faudra avoir pour priorité de viabiliser les bidonvilles en y apportant des infrastructures et des services urbains. Et ce n'est pas ce qu'on fait actuellement quand on parle de, de développement urbain en Afrique. Mais c'est pourtant là où il faudra. Parce que ce sont les zones qui accueillent et accueilleront dans un avenir que nous pouvons appréhender, qui vont accueillir la croissance urbaine. Donc, c'est là-bas qu'il faut investir. Et il faut pour ce faire financer le développement urbain par des mécanismes qui sont innovants, mais prévisibles, qui permettent à la ville de capter aussi sa capacité à financer. Et on verra qu'elle ne peut pas le faire si elle ne maîtrise pas son territoire. Il faudra renforcer la gouvernance territoriale pour pouvoir tirer le meilleur possible en termes de liens euh, urbains, ruraux, pour que ces liens soient à l'avantage et de la ville et de son territoire. Et il faudra, parce que l'urbanisation telle qu'on l'a connue et parce qu'elle a généré de, de l'étalement, a été euh, prédatrice de l'environnement, prédatrice des écosystèmes et de, surtout de leur fonctionnement. Donc, il faudra préserver et restaurer. Et il faudra construire l'adaptation au changement climatique et la résilience. Les villes africaines sont aux trois quarts parmi les villes les plus vulnérables au changement climatique. Et on sait que pour construire la résilience, il faut la construire. Non pas simplement avec des ressources extérieures, mais surtout en mobilisant les ressources de ceux dont on veut construire la résilience. On ne construit pas la résilience avec l'argent d'autrui. Éventuellement, l'argent qui vient d'ailleurs peut libérer, mobiliser, aider. À mettre en chantier les ressources que, que l'on a. Alors, pour le faire, il ne faut pas oublier ce dicton que j'aime bien de Mandela qui dit euh, Tout ce que vous faites pour moi, mais sans moi, vous ne pouvez le faire que contre moi. Alors, pour repenser la vie, vous aurez besoin de combien de minutes pour. La possible. Ben, si je vous la donne, mais il faut que les autres collaborent pour chacun vous passez une minute pour que vous en soyez dans le délai. Allez-y, monsieur le ministre. Merci, Merci bien. Alors, il faut repenser la ville. Pour repenser la ville, les prérequis, à mon avis, en termes d'action prioritaire, il faut, il faut réformer le marché foncier. Il faut le réformer de manière dynamique avec les populations. Il faut que l'aménagement de réhabilitation soit au profit des populations et non capté par quelques-uns. Il faudra faire des investissements prioritaires. Ces investissements prioritaires-là sont des investissements qui doivent cibler aussi le, la mise en valeur de l'existant. Il ne faut pas venir dans une démarche haussmanienne. Au contraire, il faut venir dans une démarche à capitaliser ce que les populations ont su faire. Et il faudra, pour ce faire, financer. Et Financer, c'est d'abord veiller à ce que la ville puisse capter ses propres ressources. Et elle ne peut pas capter ses propres ressources si elle ne maîtrise pas son territoire. Alors, il y a des, des possibilités, mais imaginez quand même que l'ampleur des investissements nécessaires en Afrique au sud du Sud-Sahara pour régler le problème, euh, problème, oui, pour en tout cas capter le potentiel de l'urbanisation, c'est de, de l'ordre de, de 45 milliards de dollars par an, dont 20 milliards pour le logement. Et il y a quand même quelques exemples. Hein. Moi, j'ai proposé qu'on puisse se concentrer sur les zones dites précaires, informelles, par des approches de type opération de type zone de planification spéciale, qui permettent d'avoir une approche, je dirais, euh, hors, euh, hors tradition. J'aimerais ici donner l'exemple de Medellin, qui est une ville qui était une ville de bidonville, mais on a vu comment est-ce qu'une approche avec les populations a transformé Medellin aujourd'hui, on y va pour voir cette transformation-là. Et le facteur qui a permis cette transformation a été la participation, l'inclusion euh, des populations. So, donc, ce qu'il faut faire, c'est faire avec les populations. Et enfin, Madame la Présidente, qu'est-ce qui doit changer? À mon avis, ce qui doit changer, ce sont ces quatre points-là. Il faut traiter l'urbanisation comme une opportunité. Ça n'a pas été le cas. Moi, je me souviens de... Regardez les, les premiers DSRP. Vous allez voir que l'urbanisation n'était pas... le secteur urbain, le milieu urbain n'était pas dans, ces... dans les premiers DSRP. Donc, traiter l'urbanisation comme une opportunité, faire en sorte que la planification urbaine soit moins rigide, mais surtout veiller à ce qu'il y ait une vraie décentralisation qui donne la main aux acteurs locaux et que les acteurs politiques, m'excusent, mais il va falloir les former, les éduquer, parce que le leadership est ce qui fait la différence. Alors... Oui, il y a du potentiel. Travailler avec les populations, c'est nécessaire. Il faut oser des disruptions en travaillant avec les, les communautés. Et pour ce faire, il y a de quoi innover. Je vous remercie. Merci beaucoup, euh, monsieur le ministre, pour euh, ce discours euh, inaugural qui plante le décor en nous montrant bien sûr les défis et de l'urbanisation et la nécessité de considérer en fait l'urbanisation et les inform informalités comme une opportunité, opportunité que nous devons transformer justement en réalité au niveau de nos environnements de vie dans une démarche impliquant les populations elles-mêmes. Je voudrais vraiment vous remercier très sincèrement pour avoir planté le décor et sans transition, et je vais passer euh, la parole au prochain intervenant, Patrick Lawson-Holt, qui est économiste urbain de notre secrétariat au CESAO ici. Et Patrick, euh, à toi la parole. Merci. Mm -hmm. As I was saying, good afternoon, everyone. Uh, I'm Patrick Lampson Hall. I'm an uh, urban planner and an economist and policy analyst at the Sahel and West Africa Club. And uh, I'm excited to be here today to talk to you about the Africa Polis 2023 revision. Uh, soon enough, we'll have this GIF updated so it shows 2020. Right now, we're we're up to 2015, 2020 is coming. Um. So, humanity has been having a rather interesting last 200 years with massive increases in the total population and a, a truly unprecedented shift in the organization of the population as we have, as of 2010, become a majority urban species. This is the first time this has happened. And uh, the distribution. Of this urbanization mirrors global inequalities. So the wealthiest, most industrialized regions were the first to urbanize, North America becoming 50% urban by 1930, Europe 50% urban by 1950, Latin America following in 1965. According to the United Nations Population Division, uh, Asia was 50% urban, including West and Central Asia as of 2020. And the 2023 Africa revision finds that Africa as well is now 50% urban, with more than half its population living in urban agglomerations of 10,000 people or more. Africa has experienced extremely rapid urban growth in the last two decades, adding 400 million urban dwellers. And this increase is set to double in the next two decades, with 800 million people uh, being added to the urban population. The massive change in the distribution of the population has been accompanied by an equally massive change in the spatial geography of Africa. But until recently, it was difficult for us to measure or understand that change because every country has its own specific definition of what constitutes an urban area. This made it difficult for us to find meaning in the data. Within a country over time and also between countries now with Africapolis we apply a universal definition of urban across the continent of Africa and across time periods letting us measure important changes as they take place. Africapolis relies on a physical definition of the city that comes from identifying buildings and built-up areas. The buildings and built-up areas are then grouped based on their proximity which mirrors the economic agglomeration economies that are the actual drivers of this urban transition. Defining cities based on administrative boundaries can produce situations like we see here in Mozambique, with Maputo, Matola, and Maraquene each regarded legally as their own separate city. Using the Afrikopolis definition, we identify the orange area. Behind the administrative boundaries, as the true extent of the city, an extent that's joined together in population, sharing one economy, and also for the purposes of this conversation about urban growth, having a common urban future. Africa Polis uses a bottom up definition of the city, which starts by identifying these built up areas using satellite imagery, <clears throat> grouping them into urban agglomerations. And then using demographic resources to estimate their populations. The agglomerations with populations of 10,000 people or more are considered urban. Development is fundamentally spatial. Detailed information about the locations of the population is important when we're formulating policies for growth. For example, in the case of Ghana, it's useful information to know that 50% of the population lives in secondary cities it allows us to better target infrastructure spending to study the market benefits in rural areas of urbanization and to make strategic investments in other forms of infrastructure and services because africa pola supplies a consistent definition over time we're able to identify an important urban phenomenon, which is the emergence of new agglomerations as their populations increase. This allows policymakers in Nigeria, for example, to study, map, and support the 279 new urban agglomerations that have emerged in the last five years. By applying this definition across borders, we can identify cross border groupings. Larger urban economies that have formed, as in the case of the West African cluster, which has 89 million inhabitants and crosses five countries. And the fact that our definition of urban includes cities as small as 10,000 allows us to capture the full urban system, even in countries like the Gambia, where most of the urban settlements have populations of less than 50,000. The development of a database like AfricaPolis is a long-term project that uh, involves deep collaborations with scientists and researchers, such as the team that we have here with us today from the EGeopolis Institute. And uh, it's something that that can't be done on the on the fly. It can't be done in a short-term way. I mean to say, we have been supporting a SWAC AfricaPolis since 2015, and. We have used the data not only for research and policy, but also for the development of the Africa's Urbanization Dynamics Report. The first Africa's Urbanization Dynamics Report mapped this new system of cities, identifying hundreds of new agglomerations, and found as well that since 1950, the urban population in Africa has increased by 2,000%, and the total number of agglomerations in Africa has increased from around 600 to over 7,000. <clears throat> the discovery of these new agglomerations led to major revisions in the estimate of the level of urbanization in Africa when compared to national statistics. It also allowed us to identify interesting phenomena like merging and metropolitanization when urban agglomerations join together to form larger integrated settlements. The next report utilizing Africa Polis data was the Urbanization Dynamics 2022 report, which explored the economic impact of Africa's cities. And this report found uh, the amazing finding that as much as one third of the GDP growth in Africa is due to urbanization. The report combined Africa Polis data with survey microdata to investigate the economic dynamism that we find even in small and medium sized cities, where it revealed that. Uh, workers in cities of even cities of 50000 people or less work 30% more hours per week have better access to skilled employment receive significantly more education and are more than twice as likely to have bank accounts at the household level this data allowed us to discover that uh, households that are living in cities are more than twice as likely to have a connection to basic services like electricity and water, and also considerably more likely to have access to formal land title. The most impressive finding, or interesting finding in my opinion, is that the benefits of being in an urban area start even in these smaller cities of 10 ,000 to 50,000 people. In fact, the report indicated that the benefits of moving from a rural area to a city of less than 50,000 are greater than the benefits of moving from a city of less than 50,000 to a city of over a million, really highlighting both the importance of these small urban settlements. And the power of agglomeration economies, even in smaller places. So, you should see by now that AfricaPolis is not just a primary data source, it's also a platform that we can layer new pieces of information onto. And as we continue developing the AfricaPolis Polis data set, we uh, now incorporate data from ECOWAS countries, SWAC, and UMWA countries, as well as the rest of Africa. The 2023 revision which we're launching here today includes redrawn and updated shapefiles, recalculated population estimates, incorporation of new census data, major updates to our website as well, which is now easier to navigate and more comprehensive. And our goal is to continue keeping Africa polis in a role as the premier data set for studying the full city and also the full system of cities in Africa as we expand our knowledge of African urbanization. Now, some data from the revision. So, according to this new revision, the urbanization rate in Africa has risen since 2015 from 47% to 50%. The total number of agglomerations has increased by about 1,100, a 16% increase. And the average size of these new agglomerations is around 15,000 people. So, there's a whole strata of relatively small, new, and emerging settlements that are coming up in Africa. Larger cities are found to be growing in a population at a faster rate than smaller cities, with the fastest population growth in cities of between 300,000 and a million people. And cities also expanded in area, with the smallest cities growing in area at more than double their rate of population growth. Some cities, like Abomi in Benin, were found to grow very rapidly in both population and area. And it's important when we think about investments in urbanization to keep in mind that there are some cities that are growing much faster than their national tendencies. The four least urbanized countries in Africa in 2015, Niger, Madagascar, Malawi, and Ethiopia, have continued to see increases in their urban share. But even as those increases have, in some cases, not been that significant, the total quantity of urban population growth has been significant. We can see this, for example, in Malawi, which is a country that did register a large increase in its urbanization rate, moving from 22% to 34%. And this was primarily driven by the emergence of new settlements. In other words, by population growth in places that were formerly towns and villages. Looking at our members, UMOA and Ecowas countries, we can see that there's been enormous urban growth. They've added over 450 new urban agglomerations and almost 40 million new urban residents in the past five years. Cities in the member countries have also expanded greatly in area by more than 10,000 square kilometers, uh, and this is because their rapid urban population growth is also translating into urban spatial expansion, a topic that we've touched on a few times today and what the data is showing is that these member countries are in the midst of a major transition and it indicates a profound need for investment in the urban sector as well as continued monitoring of the trends these are very top level and further insights from this new body of work will be released in the coming weeks and months uh, for now i'm happy to pass over to professor francois moriconi-ebert a director of research at CNRS and the head of the Egeopolis Institute which really pioneered the Africapolis methodology and is our close partner in producing this data set. And you don't have to clap for me now I'm going to come back at the end. Voilà donc quelques mots sur la mise à jour sur les résultats Euh, donc, euh, entre entre la dernière version 2015 et 2020, on a seulement six nouveaux recensements, euh, c'est-à-dire euh, pour le Burkina Faso, euh, le recensement 2019, et puis des recensements 2021 pour euh, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sierra Leone, et 2022, il y a une version pour le Togo, euh, résultat euh, encore provisoire. Euh, on a aussi deux estimations officielles. Euh, en ce qui concerne la démographie, c'est celle du Sénégal en 2020 et au Nigeria, une estimation qui est toujours celle de 2016. Donc, pas vraiment nouvelle, mais avec un beaucoup plus de détails euh, spatial, puisqu'on est passé à une estimation par ward au lieu de, donc, 9500 wards au niveau du pays, qui permettent donc de calculer la population urbaine de façon plus précise au lieu de, euh, je ne sais plus combien, -ce 600 et quelques LGA, local government areas, autrefois. Par contre, en ce qui concerne les données spatiales, donc euh, comme il a déjà été dit, l'extension physique des agglomérations a été totalement révisée euh, sur la base d'images euh, donc euh, datées de entre 2018 et 2023, euh, toutes en très haute résolution, à part vraiment quelques minuscules exceptions euh, du côté du, du Gabon, de la Guinée équatoriale ce qui a parfois occasionné une révision rétrospective euh, des estimations de 2015, puisqu'en fait, euh, il restait beaucoup plus d'images euh, dont la qualité était insuffisante en 2015. Euh, voilà donc vraiment pour la méthodologie. Euh, alors, le, les, ce qui domine en fait, c'est, euh, il me semble, il hein, si bon, y, y aurait des tas de, de résultats à présenter, on pourrait prendre des heures. Hein. Euh, donc, c'était difficile de choisir hein, les, les bons thèmes. Euh, C'est euh, le fait que les processus se diversifient, se différencient de plus en plus entre les agglomérations. Hein, C'est loin d'être homogène euh, l'urbanisation de l'Afrique. Euh, comme un petit peu partout ailleurs d'ailleurs. Euh, et la, la démographie, donc évidemment, c'est la première cause de différenciation puisqu'on a des taux de, de, de croissance démographique qui sont très différents selon les pays, selon l'avancement dans la transition démographique. Notamment, par exemple, on est en décroissance au Cap Vert avec moins 0,15%. Euh, annuel entre les deux derniers recensements, contre 3,88% au Niger. Donc évidemment, ça va se répercuter sur la croissance de la population urbaine. Euh, donc euh, c'est le premier impact, je dirais, de différence, sur, sur, enfin la première cause de différenciation, pardon, sur, entre les villes. Le deuxième, c'est euh, l'étalement des zones bâties, qui est euh, une cause très importante, puisque... Comme on le voit sur l'image euh, ici, là à droite de Enougou, entre 2015 et 2020, l'agglomération d'Enougou s'est étendue. Elle a d'une part absorbé euh, des, des, des maisons, des fermes, des hameaux qui étaient autour, mais aussi des petites, des agglomérations moins importantes qui étaient à la périphérie. De sorte que la population de l'agglomération a beaucoup augmenté, même si la croissance démographique va être euh, en fait pas plus forte que dans une, une autre agglomération. Enfin, euh, bon, évidemment, sujet classique, ce sont les migrations qui jouent probablement un, encore un rôle important, mais euh, dont les mouvements sont complexes, sont devenus plus complexes si, si je sais, on ne sait pas trop en fait comment c'est dans le passé, mais et surtout sur lequel les, les données manquent. Alors, on a évidemment l'exode rural, donc ce fameux. Euh, 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 migration euh, des campagnes vers les villes, mais on a aussi beaucoup, apparemment, beaucoup de migrations entre villes, hein, entre des villes-étapes et puis d'autres villes. Donc, c'est des migrations urbains-urbains. Des migrations retour aussi, alors ça, ça dépend des pays, mais euh, qui peuvent être massives dans certaines régions, après la fin des crises, où euh, les, les gens euh, ont changé de région, ont été relogés, euh, euh, et puis ensuite retournent chez eux. Et puis, euh, il y aura un sujet intéressant à, à étudier. Euh, malheureusement, on n'a pas assez de données. Euh, moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de micro-migrations -migra euh, au niveau euh, local, en fait, hein, ce que j'appelais des migrations micro-régionales. C'est-à-dire des gens qui habitent dans les campagnes et qui vont habiter euh, dans des bourgs euh, le long des routes ou à des intersections euh, qui sont mieux équipés, évidemment parce qu'il y a la route et puis aussi parce qu'éventuellement, euh, il y a une connexion Internet, enfin, bon, vous voyez euh, voilà. Ça, bon, mais là, c'est plus une impression. Hein, je ne peux pas vous le confirmer par des chiffres. Il faudrait faire des études là-dessus. Euh... Euh, J'ai aussi euh, je voulais commencer enfin parler aussi beaucoup de l'importance de la forme en fait, des types d'habitat. Il a été dit par Monsieur le ministre euh, là euh, que en fait les villes, en fait finalement, euh, elles sont ancrées dans le local, les petites agglomérations, hein, c'est-à dire que avec le local viennent toutes les propriétés de la société locale et euh, du type d'habitat. Alors euh, ici, il y a trois cartouches sur la carte. on a un type d'habitat connu sous le nom d'habitat groupé. Euh, donc c'est l'exemple de la région de Tawa au, au Niger. Un autre exemple. Alors là vous avez des, des agglomérations extrêmement compactes euh, qui sont pas du tout, euh, très peu le long des routes. En fait, Ce sont des bourgs hein, qui grossissent, qui grossissent, qui sont très denses et qui sont bien séparés les uns des autres. Ensuite on a, euh, un, alors à l'inverse, l'habitat épars. Alors on a pris ici l'exemple de la banlieue sud de Tripoli. Euh, Ou alors on a euh, une espèce d'éparpillement en fait des constructions, des, des, euh, des, des enfin de tous les, les habitats en général. Euh, et puis le, le, le... Le type de forme linéaire, donc on a euh, en bas à droite l'exemple de la province Zambésia du Mozambique, où vous avez des agglomérations qui vont 20, 30, km, 40 km de long sur quelques centaines de mètres de large le long des routes. Alors évidemment, ce n'est pas sans conséquence sur la mobilité, sur euh, l'équipement, par exemple, euh, euh, il est beaucoup plus facile euh, évidemment euh, de construire des routes. Euh, en général, en fait, dans les, dans les, dans les zones d'habitat épars, on trouve plein de chemins, mais de très mauvaise qualité, etc. Ce n'est pas du tout hein, de, les mêmes conditions d'équipement pour l'éducation, la santé, l'accès aux services, etc. Et euh, donc, je veux surtout dire que quand on est parti sur une forme, ça, c'est une des propriétés fondamentales en géographie, il est très difficile de sortir de la logique. Hein C'est-à-dire, quand on est parti sur du groupé, Très, très rarement, on voit tout d'un coup de l'étalement euh, épar. Et, et, et inversement, quand le peuplement est épar, ben c'est très difficile de revenir du groupé, à hein, moins de détruire des maisons. Alors, chacun a des propriétés, par exemple, l'habitat épar, c'est très mauvais pour la mobilité, mais en même temps, ça permet de pratiquer, par exemple, de l'agriculture euh, vivrière en ville. Hein, voyez, Après, bon, comme disait M. le ministre, c'est une question de choix. Qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir Voilà. Euh, mais je tenais à le, à le préciser d'emblée, puisqu'en fait, nous, c'est quand même un travail de géographe, donc euh, bien rappeler ce rôle du substrat, en fait, hein, sur lequel poussent les villes, puisque euh, les agglomérations ne poussent pas en apesanteur terrestre. Donc, euh, quelques mots sur le nombre d'agglomérations qu'on a trouvées, donc, euh, donc le nombre d'agglomérations de plus de 10 000 habitants est passé de 2015 à près de 2400 en 2020, alors a priori, ça ne vous dit rien, sauf que L'Institut Géopolis permet de comparer avec d'autres régions. Donc, ça permet de, de cadrer. Donc, par exemple, la même catégorie de villes, donc de, 5, de, plus de, 50 000, euh, de moins de 50 000 habitants, pardon, euh, ben, vous en trouvez 1 100 aux États-Unis, 1 au Brésil, euh, espace de dimension à peu près comparable hein, en termes de superficie à l'Afrique de l'Ouest. Euh, et pour la Chine, on en trouve près de 10 000, euh, nombre en diminution actuellement d'ailleurs. Et euh, sans les chiffres de 2010, je n'ai pas eu le temps de mettre à jour en 2020. Et en Inde, donc, qui est plus petite, mais qui a 1,4 milliard d'habitants, tout comme l'Afrique, euh, on en trouve 6,900, donc beaucoup plus. Voilà. Euh, alors ces petites villes, elles coïncident souvent avec des chefs-lieux de subdivisions administratives, de communes, de départements, etc. Elles euh, participent beaucoup à l'urbanisation de l'intérieur du continent, hein, de coloniser en fait l'intérieur des continents. Elle participe à, au fait que le à une, une intensification du maillage territorial, c'est-à-dire plus de villes sur une superficie qui ne se dilate pas. Euh, eh bien ça fait que les villes sont plus proches les unes des autres, donc c'est plus euh, ça, ça permet de changer les conditions du développement. Et euh, donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui en 2020, enfin, Hier, il n'y avait pratiquement pas de, de zone euh, avec des trous, en fait, hein, sans agglomération en Afrique, alors qu'en 1960, par exemple, le Botswana entier, la Mauritanie entière, hein, un million de kilomètres carrés, n'avait aucune agglomération de plus de 10 000 habitants. Aujourd'hui, ça n'existe plus, excepté un petit peu dans le secteur sud-est du, du Tchad, Centrafrique, Soudan. Voilà. Euh, la, donc la diversité des petites agglomérations. Donc euh, je continue. Donc prise au cas par cas, les croissances sont encore une fois très hétérogènes, généralement pas très fortes, euh, parce que l'étalement est relativement faible hein, dans les, les toutes petites agglomérations. Hein, je veux dire, hein, euh, et que ce sont encore probablement, il y a une faible urbanité, donc ce sont encore probablement euh, des foyers d'émigration et non pas d'immigration, sauf dans le cas de, des chefs- lieux euh, voilà. Euh, et euh, alors si par contre au niveau prise au cas par cas zone dynamique hétérogène, en fait la catégorie prise ensemble au niveau global a une forte croissance puisqu'il y a des plein de nouvelles petites agglomérations qui sont en train de se, de se développer. Euh, donc euh, j'ai mis quelques exemples. il y a des placers, aurifères, diamantifères, au Mali, en Guinée, des, des nouvelles mines de cobalt, etc. Vous avez aussi des, des agglomérations planifiées, des agrovilles euh, euh, comme celle de, 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 du Mali ici, de Niono. Euh, et puis, bon, comme je l'ai dit, ce, cette tendance au regroupement, euh, le long des pistes, pendant les crises, hein, ça se voit très très bien. Dès qu'il y a une crise, les gens euh, quittent les, les forêts ou les, euh, les savanes et vont se regrouper ensemble euh, pour euh, mieux se défendre et puis pour avoir des meilleurs accès. Euh, voilà, donc euh, ce qu'on peut dire. Voilà. Alors, un autre, une autre caractéristique, là, on a toujours sur les petites villes, hein, les villes moyennes, c'est euh, qu'on en trouve beaucoup qui ont émergé à la périphérie des grandes métropoles, des capitales nationales, en, en, justement capitale économique ou capitale politique, et euh, qui forment en fait des régions un petit peu, euh, de ce qu'on peut appeler des régions métropolitaines, bien qu'il n'y ait pas de définition en fait, euh, officielle de ces régions métropolitaines. Alors là, je sélectionné euh, l'ouest du Sénégal. Alors vous voyez que euh, sur une superficie de 12 000 et quelques kilomètres carrés, c'est-à-dire l'équivalent de l'île de France hein, où nous sommes à présent, euh, on trouve 8 800 000 habitants en 2020 contre 12,2 millions euh, en île de France. Alors bon, vous direz c'est moins, mais sauf qu'en 2035, au train au vent les choses, les 12 millions ils y seront. C'est-à-dire que dans très peu de temps, hein, on va se retrouver une douzaine d'années dans une région qui est aussi euh, euh, démographiquement parlant, euh, aussi peuplée et euh, enfin qui est très comparable en fait à, à l'Île-de-France. Alors dans cette région en 2020, on a déjà 79% de la population qui vit dans une agglomération de plus de 10 000 habitants. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous après vous, vous enlevez ça et vous comparez avec le reste du Sénégal. Bah, le niveau d'urbanisation est seulement de 24%. Donc ça veut dire que, euh, bon, en plus, vous avez un tiers des petites agglomérations hein, qui sont sur euh, cette petite région qui représente 6%. Ça veut dire qu'on a un décrochage, en fait, euh, euh, des régions périphériques qui sont euh, relativement encore sous-urbanisées euh, en, en, en comparaison avec ces régions, entre guillemets, métropolitaines. Qui sont au contraire où la circulation est intense entre des différents pôles euh, urbains euh, autour des, des grandes agglomérations. vous montrer un phénomène qui est très intéressant, c'est le début du déclin euh, des, des grandes agglomérations, des, 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 des centres-villes, des grandes agglomérations, déclin qui euh, a commencé euh, au Caire euh, et à Casablanca. Euh, alors au Caire, c'est dès 1966, hein, la, la, les, les 14 arrondissements centraux perdent des habitants, ils ont perdu la moitié de leur population en fait. Euh, à Casablanca, c'est depuis 1914. Euh, à enfin les trois grandes villes du Ghana, alors Accra, et Sekondi Takoradi, c'est depuis les deux derniers recensements. Et à Mozambique, on voit que Maputo est en train de plafonner euh, et probablement dans les années qui viennent la population va diminuer aussi. Alors, c'est un phénomène qui est bien connu, encore une fois, hein, qui a un processus qui est probablement durable. En plus, hein. j'ai comparé sur le graphique de droite avec Calcutta, hein, où la population diminue également. Et puis, bon, on le sait, à Manhattan, euh, la population a culminé en 1910, elle a baissé, depuis, on continue, enfin, jusqu'à les années 80. Et à Paris, par exemple, à hein, Paris proprement dit pas à Boulogne, hein, Paris, voilà. Euh, non, j'insiste, hein, c'est ville proprement dite, n'allez pas dire après que les, agglomérations perdent, les grandes agglomérations perdent des habitants, c'est le centre, hein, d'où la diapositive précédente, euh, cette double pression à la fois de l'intérieur, migration sans périphérie, et de l'extérieur vers les périphéries. Donc tout ça, ça génère euh, des, de fortes pressions sur les périphéries urbaines, Dépression depuis euh, l'intérieur de l'agglomération avec des migrations du centre vers euh, la périphérie qui s'urbanise, et puis aussi euh, depuis l'extérieur avec des mouvements euh, centripèdes, donc de, de migrants, d'exodes euh, rurales, etc. Puisqu'on le sait, les grandes zones urbaines servent généralement de zones de refuge lors des crises. Euh, ça a été le cas à Monrovia, Bamako, N'Djamena, mais aussi à, à Khartoum et plus récemment à Bangui. Euh, le développement de services qui sont très développés par rapport aux villes moyennes. Hein, on va trouver euh, des, des, les grands hôpitaux, les aéroports, enfin toutes les, les services de, de pointe hein, dans, les, les, dans ces régions-là. Et puis, euh, ça se traduit aussi par une transformation de la fécondité de la taille qui déménage, pardon, qui tend à s'aligner sur celle des pays les plus avancés. Donc tout comme dans le reste du monde. Euh, par exemple, à Dar es Salaam, on a une taille des ménages qui est trois fois moins importante en moyenne que dans le, le sud-est de la Tanzanie. Hein, vous voyez Donc, euh, voilà. Alors la, la, la natalité baisse un petit peu dans les, dans les campagnes aussi, mais bon, elle, 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 le, le, le mouvement précède dans les grandes agglomérations et euh, on trouve également des taux de natalité par contre très forts puisque comme la population est jeune, euh, même si euh, la fécondité est basse, on trouve une natalité encore importante. Euh, donc les causes euh, en Afrique en particulier, c'est comme partout d'ailleurs, hein. c'est la saturation de l'espace euh, constructible disponible, évidemment, puisqu'on n'a plus de place. Donc, euh, voilà. Le déclin du secteur résidentiel au, au profit euh, d'activités plus rémunératrices du foncier, notamment en faveur des bureaux, des entreprises, des sièges d'entreprise hein, qui sont capables de payer la rente foncière. Et puis, quelque chose qui est assez fort en Afrique aussi, c'est la préférence des politiques pour les politiques de construction de nouveaux quartiers, où le, si vous voulez, les responsables se posent en bâtisseurs, un peu comme les pharaons, et euh, qui sont préférés à celles de ravaudage. Hein. Est évidemment, euh, plus intéressant pour un ministre de dire bon ben voilà, euh, euh, j'ai créé une ville nouvelle que de dire j'ai ravaudé les goûts euh, au centre de, de telle ville. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Et pourtant, alors ça conduit à ces contrastes, hein, par exemple entre le eco-city hein, qui est un nouveau quartier euh, sur le front de mer à, Bij euh, pardon, à, à Lagos et euh, le centre de d'ibadan qui pourtant il y, a, il y aurait du patrimoine un peu enfin bon, et, et qui mériterait peut-être une certaine attention des pouvoirs publics euh, donc euh, ça, tout ça ça pose une question qui peut-être euh, en filigrane derrière ça c'est est-ce que euh, est-ce que en fait l'Afrique s'urbanise ou alors est-ce qu'elle se métropolise en fait hein, parce que quand on voit par exemple que euh, en Gambie, vous aviez la diapositive là, de Patrick tout à l'heure qui montrait la Gambie. Euh, euh, donc, on a un du, euh, niveau d'urbanisation de plus de 50%, mais on a 85% de la population qui vit dans une agglomération. Alors, est-ce que le reste du territoire euh, ne s'urbanise pas très vite Alors, est-ce qu'on a, euh, a une convergence, si vous voulez, catégorielle, hein, comme l'a montré euh, Saskia Sassen, donc entre les mégapoles, les mégalopoles de la planète et donc, on va dire, entre les métropoles africaine, par exemple. Le style de vie euh, à, au centre de Dakar ou de Cotonou va être plus proche d'une métropole, euh, même d'un pays développé, que d'un village perdu dans la, dans la brousse. Vous voyez ce que je veux dire euh, on, a, on a des convergences comme ça, des comportements qui font que Dakar... Euh, euh, je sais pas moi, Conakry, etc., vont se comporter de façon plus similaire que euh, euh, la comparaison avec les petites villes ou les campagnes de leur propre pays. Hein C'est ça qu'on a voulu euh, montrer. Euh, une augmentation donc, euh, de la variance intercatégorielle, mais une diminution de la variance intracatégorielle. Euh, donc en, pour ma conclusion à moi en français ce que je vais repasser la parole à Patrick après euh, donc euh, j'insiste enfin nous insistons à, avec mon équipe sur la différenciation des des processus d'urbanisation hein, sur un enrichissement des dynamiques démographiques des processus spatiaux qui se complexifient à toutes les échelles hein. euh, alors cette présentation étant très générale, il faut quand même dire qu'il y a de grosses exceptions. Hein. Par exemple, j'ai parlé de la métropolisation, c'est-à-dire cette régionalisation de la croissance. Ben, en fait, on ne la constate pas autour de Bangui, de Njamena, de Niamey, de Djibouti, euh, bon, qui est entouré de, de désert hein, en fait, euh, de Nouakchott et euh, de Mogadiscio. Hein. Donc, euh, y a, y a, on passe directement de l'agglomération dans une sorte de, de paysage assez désert. Euh, donc une augmentation de l'hétérogénéité spatiale, d'où l'intérêt de, de la méthode d'Africa Police, hein, puisqu'on part vraiment du, du substrat, du sol, des, des buildings, des, euh, de cette perception euh, d'un espace euh, euh, urbanisé, à partir donc d'objets qui sont réels, qui sont identifiables sur le terrain. Et je repasse la parole à Patrick. Oh, okay. Wow, that's really, really, really fascinating information. I must say, I think uh, we're very lucky to have Professor Morricone with us. And uh, if you didn't get excited about those ideas, you can talk to me afterward and I'll tell you why you should be. Uh, so, Africa today finds itself with 50% of its population living in urban agglomerations of 10,000 people or more. In the last 5 years the total urban population has increased by a fifth the urban area by almost as much but this comes in contrast to a global trend of declining urbanization after moving at a very rapid pace for the last 200 years in the 21st century urbanization is going to slow considerably most countries stop urbanizing when between 75 and 85% of their population is living in cities these levels Will be reached worldwide in general uh, soon and in Africa in less than two generations. And at that point, this thing that we could think of as the Global Urbanization Project, which is a 300 year long project where humanity has transitioned from living close to the land to living close to each other, will be finished. Urbanization has always been a messy process on the ground. And urbanization in Africa is not uniquely chaotic or disorderly. It looks quite similar in some regards to how urbanization has looked in other world regions. However, it is uniquely massive and it's happening uniquely fast, especially given the relative weakness of governance and low levels of economic development prevailing in the region. Policymakers are struggling to keep up with it. And we can see the consequences of that on the ground. Where we find that 90% uh, of new residential growth between 1990 and 2015 was informal or unplanned before it was settled because of incremental development processes that are occurring in the absence of public sector activity. In 2024, we'll be releasing the next Africa's Urbanization Dynamics Report, which is entitled Plan for Urban Expansion. The AUD 2024 report is responding to the need to organize land for growth in the next three decades because we know most urban population growth is taking place on the peripheries of cities and lands that were not previ previously settled. And this is actually totally normal. Uh, it's been seen around the world, but it must be done well because the spatial fabric of cities is sticky. It's very persistent. And the patterns of growth that are laid out in the coming decades will form the landscapes that Africans will likely live with for centuries. So even if the buildings and other private uses in a city change, the layout of the transportation networks and the public spaces most likely won't. Simple planning strategies like urban land expansion planning can help cities get ahead of growth. By preserving environmentally sensitive areas, by protecting land for arterial roads, uh, by incorporating informal settlements. Um, and this can work in, in many, many, many agglomerations. In that regard, our efforts with Africa Polis and with Africa's urbanization dynamics are really focused on putting data and tools that work in the hands of policymakers uh, by allowing them to consider the entire urban system. By helping them attend to emerging and secondary cities, by encouraging planning for long term growth, and by focusing on the real city, not just the administrative boundaries and formally developed areas. Uh, I'll conclude by saying that we're, we're very proud of this body of work. We prepared the new data so that it's fully downloadable, it's free of charge, and accessible via our newly revamped website, which you can see some of here. Uh, the new website makes it easier to compare changes over time. It offers a range of new backgrounds. Uh, it also has better search functionality. I, I hope that you enjoy exploring this data this uh, data set that that we've created. And I'd just say, if you want to know more, you can sign up for our newsletter using the QR code here. You can check out our country notes, which give extensive, highly detailed information on the urbanization process in individual countries, uh, and of course visit the website. I'd like to just conclude by thanking our members uh, for having the vision to see the value in developing this kind of expertise. So, thank you. Vraiment, merci À nos deux présentateurs qui nous ont montré à souhait l'importance de la recherche et l'importance, justement, des, des travaux qui ont été réalisés par Africa Police pour nous aider au moins dans notre travail avoir un outil qui est là, qui est à notre disposition, que nous pouvons télécharger, que nous pouvons consulter. Et j'ai entendu, il a dit free of charge. Donc, c'est-à-dire que c'est gratuit. Donc, je pense qu'il faut en abuser parce que, comme on le dit, l'essentiel, ce n'est pas de tout savoir, mais de savoir où tout se trouve. Donc, vous savez où ça se trouve. J'ai noté le, le site où il faut aller, www.africapolice.org. J'espère que vous avez tous noté et que vous allez aller consulter le site web. Et vraiment remercier encore les deux pour le travail excellent qui a été fait et pour les présentations qui ont été un peu un événement de conscience pour nous par rapport à la situation de nos villes, de leur croissance, des défis, etc. Donc, merci beaucoup pour vos insights. Merci beaucoup. Donc, l'outil est là, mais comment l'outil peut être utilisé? en vue d'éclairer les décisions politiques. C'est ça. C'est ça la question. Vous avez l'information. Quel est le meilleur usage de l'information? Donc, sans transition, c'est le point, parce qu'ils ont en plus respecté l'heure. Hein? Donc, ça, je crois que c'est très important. C'est un aspect supplémentaire. Et donc, maintenant, nous allons passer au point sur l'élaboration de politiques, et politiques avec Africa Police. Et nous allons avoir l'honneur. D'avoir la contribution de Iris Wilhelm qui est conseillère à GIZ, suivie de notre collègue Brillet qui est à côté. Donc, uh, Iris, nous sommes tous tuit. Merci beaucoup. Um, I represent in English. Good afternoon, everyone. So yeah, my name is Iris Wilhelm, and I'm a policy advisor for the GIZ sector program Cities. um yeah and today i will give you some insights into um yeah german development Corporation on sustainable urban urbanization in africa uh, to give you a heads up i will just guide you quickly through my presentation and i will start with a quick overview of german development policy uh, with regards to urbanization and then i will talk a little bit about uh, our work at the giz sector program cities and after that, I will go more into the topic of implementing urban uh, projects. So, I'll give some insights into the urban portfolio we are implementing in Africa. And last but not least, I also want to share with you some thoughts that I had when I thought about how we are using this kind of data that Africa Polis is providing, what the limitations are, and what we maybe could do better. So, the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, short BMZ, is responsible basically for shaping the German Development Corporation. The topic of sustainable urban development is and has been becoming more and more relevant and gets more and more attention. So it is clear that urbanization is one of the most important megatrends of our century, and we heard that already in the presentations before. And BMZ really recognizes the huge Global challenges that come with it, but also the enormous opportunities and about the challenges and opportunities we already heard as well. So, for BMZ, sustainable urban development is key to achieving the global climate and development goals, but also to achieve a good life for everyone. Um, it is also important to note that uh, the, specifically the topic of urbanization in Africa gets specific attention in Germany. Um, in June 2021, the German parliament highlighted the importance to promote cooperation for sustainable urban development in Africa. So they basically called upon the German government and specifically BMZ to increase or in expand their interventions on urban development in Africa as an important field of action for German development cooperation. So, we can take a closer look now at um, the core topic strategy, as we call it responsibility for our planet, climate, energy, and just transition. Um, so, this document specifies the strategic approach and the goals of the BMZ uh, and German development policy regarding these interconnected topics. Um, you might have heard in this context already the term of just transition. It's a very prominent uh, term at the moment in Germany. It's BMZ understands just transition as a political concept for a structural change towards a uh, climate neutral, a socially just, and an inclusive economic and soci societal order. And just transition is a one of the political key priorities of the Minister for Economic Cooperation and Development, Svenja Schulze. That's why it's so prominent at the moment. So, sustainable urban development is a key aspect to achieve a just transition. And that's why it's one of the three areas of intervention of the core area strategy, next to the areas climate change mitigation and adaption, and renewable energy and energy efficiency. So, the overall goal of um, the German development policy on urban development is to create a livable future for all through sustainable and equitable urban transformation. Here, BMZ pursues an approach of integrated urban development with the aim of making cities sustainable, climate neutral, resilient, and livable, and thereby also contributing, obviously, to climate protection and adaption, as well as to the implementation of the 2030 Agenda. And with this, BMZ is supporting national governments and stakeholders, as well as city governments and other urban actors through policy development, technical expertise, and also, of course, funding. So, within a strategy, BMZ is focusing on a number of what we call leverage points. Uh, in the outer circle, you see that core priorities are strengthening the necessary framework conditions for good governance. Integrated and participatory planning approaches and access to finance. In the center, you see that um, another leverage point is promoting sustainable development of urban key sectors. And those are specifically mobility, housing and building, water and sanitation, waste and public spaces. And we also have cross cutting leverage points. Uh, and in these, we have spe specific approaches uh, regarding gender infrastructure mobility circular economy and the use of digitalization and just transition and green jobs okay so um, before i continue so in a nutshell bmz is basically supporting cities and thinking about the social the ecological and the economic dimension of sustainable um, development across sectors and in implementing the 2030 agenda in an integrated way so now I want to come from BMZ to GIZ and our program uh, the GIZ sector program on cities so we are a policy consultancy uh, program on urban development which means that me and my colleagues we are advising the sectoral department of BMZ on urban development and our goal is basically to politically position BMZ and thus german development cooperation to strengthen the relevance of our focus topics in international development cooperation so we have four focus topics and one of them is urban planning where we basically look at strengthening cross-sectoral urban planning and government governance and integrated approaches we are also working on sustainable building and here we are mainly promoting the global building revolution so promoting a new way of building our cities uh, we're also looking at municipal finance because that is uh, very important <laughs> and finally we're working on climate because this is actually a cross-cutting topic but it's also a focus topic um, for our program so now having looked at like the strategic policy level i would like to talk a little bit more about the actual implementation because we're giz and we're an implementation organization so on this map you've seen a lot of maps today but this is not showing urban agglomerations and this is showing that bmz funded urban projects implemented by giz so this is technical cooperation and you can see that we have a lot of urban projects in almost all african countries and our biggest portfolio is actually north africa um, followed by um, sub-saharan africa but that, what do we mean when you say urban projects here um, Urban projects on the one hand are explicit urban development projects, uh, meaning that they are, are marked with the CRS code. So this is the specific funding area for BMZ for urban development. But we also included here projects which um, are urban projects in a more wide, wider sense. So basically um, they're relevant to urban development in terms of their target group their partner structure or their functional area. So basically we've included all projects that work within in cities or have an impact on urban population. This is a similar map. Uh, it just shows the BMZ funded um, projects that are implemented by KFW, which is the German uh, Development Bank, uh, which are mainly um, big infrastructure projects. So again, here you can see that there's a large portfolio with a large volume in North Africa. However, a comparatively small portfolio in sub Saharan Africa uh, when it comes to volume, financial volume. But now, if we would look into all these projects in detail, we would see that most of the urban projects here are sectoral projects. Uh, so, speaking now mostly for, for GIZ projects, from, from my um, view, we have a lot of projects on the continent in the area of decentralization good financial governance um, peace building energy water and sanitation transport and so forth if we look only at the urban development projects in a more narrow sense so uh, which fall under the CRS code for urban development the map looks a bit different so here we have a less colorful map <laughs> and you see uh, I marked those countries where there is the so-called field of intervention on, on urban development as per the core strategy um, and this means in those countries BMZ is currently working on or planning to further develop urban development portfolio and those uh, those countries are currently Ghana Namibia Rwanda Egypt Algeria and Morocco I also mark countries where there is no such action field, but where there is an urban development project in a more narrow sense. So, really working on urban planning or urban development. And in total, and I have to say, this is a snapshot from 2021. Uh, we do a portfolio analysis every year, but the one for 2022 is, is not ready yet. Um, so, in 2021, we only had around five urban development projects in Africa. At the moment, it's six. We have a very small, small project in Rwanda as well since this year. But in total, it's six projects. Um, and what I want to show you with this is basically that there is so much awareness on the urgency of urbanization in Africa, but it doesn't really reflect so much in our portfolio. Um, we are still focusing a lot on specific aspects of, of urban development, like sectoral aspects, but we don't work on it. In an integrated manner yet. So, coming to the Africa Polis status, when I was asked to do this presentation, I actually thought about how are we using this? Um, how are we currently using Africa Polis data in our work? And I can talk from my own experience as a policy advisor. So, first, um, we make use of such data as provided by Africa Polis for awareness raising and advocacy. Uh, we can use it to basically show through infographics to communicate scale trends patterns of urbanization for example in presentations or reports to raise awareness about the rapid urbanization happening on the continent it's very important to have visualized data because this makes uh, understanding the urbanization patterns much more easy um, we also use them for facts and figures this is actually something that is yeah, asked or requested from BMZ quite often. And we use the information basically on population growth, urban population density, expansion, trends uh, for strategic documents, presentations, or also public speeches um, that BMZ is basically presenting to the public. And we are using the data basically to better understand urbanisation trends across the continent and how they vary across regions and just to see how different the urbanisation patterns are in different African cities. And this is very important for us in our advisory role because we need to advise BMZ to advocate for context specific policy approaches. So this is from the sector program point of view, but as far as I know, there is currently no systematic approach for using geospatial data in project development and implementation for sustainable urban development. And I thought about why that is and what the limitations are, why there is a gap. And I think there are three main reasons and one of them is that we're still working in silos. And I, that's why I just showed you the map with, with the program. So, most of our projects in, in Africa are sectoral projects, hence the need for sector specific data. Rather few projects really look at the bigger picture of urbanization in Africa. And projects are also often only targeting specific areas like informal settlements, peri urban areas, but they don't look at uh, you know, the environment, the connection with rural areas. Um, so there are not many projects focusing on a citywide approach. Then another point is the political priorities. They guide the development of our interventions and programs, which means that even if the evidence shows the urgency of you know urbanization, priorities might be set differently depending on political programs. Uh, just to give you an example, this year, BMZ launched their africa strategy and they recognize urbanization as you know, an, an urgent trend in, in africa but they do not address it as a field of intervention they do not consider it as, as something that can be managed and it's related to the africa strategy is very closely linked to the priorities of the african union and also the african union does not prioritize urbanization and the last point is the short project timeframes we are working with. For us, it's not very easy to incorporate medium or long term goals into our projects. So, spatial monitoring and spatial data are often yeah, not available in our partner countries or have not been, but are really urgently needed for decision making. And um, in 2019, my colleagues did a little bit of an anal analysis of the urban planning projects we had and if they're working with spatial data. And in our whole portfolio, so not only in Africa, but, but all over the world, there were only five projects doing that. So I will give you one more minute, please. Thank you. Uh, BMZ, I already told you, is promoting this integrated approach on urban development. And in our standing, that means the inclusion of different government levels, different stakeholders, um, and spaces like urban and rural. And I believe that Africa Polis is providing exactly the information and the evidence we need to implement that. So I was thinking, how could we make use of data better in our projects? And we can definitely use it more for policy recommendations. We can also use it better for resource allocation. We can use it for designing plan and implementation of urban development, and specifically infrastructure planning. As I said, KFW is doing a lot of infrastructure. Um, GIZ is working a lot on capacity development and policy advice in our partner countries, and we can definitely make use of data uh, in this field of, of intervention. And last but not least, of course, we can also use it for monitoring and evaluation however if you ask me now how we can get there that we can make better use i don't really have an answer but i want to finish my presentation rather with a few open questions because i'm also interested to hear your opinion so basically i would like to hear what are your experiences when it comes to promoting integrated urban development for policymakers on, on implementation and how can we convince policymakers who are bound to time periods and office and need short-term benefits how can we convince them to look at long term urban processes and how can we ensure continuity? Thank you very much. Thank you very much. I will now give the floor to Brille for her presentation. Thank you. Just gonna wait for the presentation to get there. <laughs> so today I'll be presenting a, a very concrete application of the Africapolis dataset. set. Um, so myself and my colleague Jorge Patiño, who's here in the audience so you can also ask questions too, have been working with this data to monitor green spaces in the Africapolis urban agglomerations identified. So um, as we've already seen today, uh, you know we've had this urban expansion. And as was already mentioned by Luke and, and also by Iris, uh, this idea of what's happening to green spaces in these urban environments um, they serve a number of ecosystem services from biodiversity to pollution control to flood regulation uh, to cooling effects from heat waves you know what's happening in the expansion process So here you have um, three cities of uh, intermediary cities in three different parts of Africa and what you can see is that as cities urbanize many different things can happen to green space so the black dot is the most built-up point in cities and now we're looking at one kilometer radius around this point point. and what you see from the left to the right is varying levels of green spaces as cities become more compact you, you can lose green space and that's actually what we find in one of our analyses but also what we find is that as cities expand uh, so this is monrovia and these are the two africapolis urban uh, extends you can see that they can actually expand in such a way that they absorb more green space so there's actually these two kind of effects that are going on it's not necessarily that you're losing green space per se so, uh, what we use this Afrikopolis dataset is to really measure and track these green spaces over time. So, what we do is we take the Afrikopolis data. So, here's an image from the 2015 data set. We combine this with the European Space Agency dataset. set. Uh, this is the World Cover Database. And what they do is they classify different types of land cover. So, here you can see the different types they have trees, shrubs, grasslands, and so on. And then what we can do is we can extract those classes within the Africopolis urban agglomeration. So we took the trees, we took the shrubs, we took the grasslands, and we create indicators of the percent availability of green space in Africopolis urban agglomerations. So this is one uh, indicator that we've done. So, as you can see in uh, Monrovia, in, in sort of using the 2020 world cover data set, we see that there's about 40.5% of the urban agglomeration is covered in green space. And then, if we look at the updated Afrikopolis data set, we see that about 52.3% of the urban agglomeration is covered in green space. And so, what we've done is, is we're we're making these indicators publicly available as well and, and, and free for use so that cities can track the evolution of green space over time in african urban agglomerations and if we look at niamey you can also zoom in on a particular type of green space so here we show the trees that are available in yemen in in Niger. And so you see that there's some trees located next to the river and in the center of the city. And so in 2020, you have about 2.1% covered in green space and uh, trees in particular. And in uh, the 2021 update of the European Space Agency data, you have about 3.5% uh, covered in trees. And we talked to uh, sort of a local expert on sort of what these dynamics are and why you might see this growth in green space. And, and so he's a he's a professor at a, a at the Department of Geography in Miami. And uh, essentially, he was explaining to us that you know the first thing you do when you get a plot of land is you plant a tree. You know it's really hot. We live in the desert. There's not a ton of buildings around. And so you do this for shade uh, and it's cooling effects. So essentially, this is really being driven by. Um, by by people within the city as they plant more trees and that really he was saying that the management of land and land use planning is quite important when it comes to the future of trees and and green spaces however if we look at the ecosystem services it's not only about availability but proximity and that's especially the case when it comes to urban heat island effects so we know that west africa with climate change will face an extreme amount of heat even under scenarios where we stay within one point food 1.5 to 2 degree scenarios. And what we see is that this is the urban heat island effect in Miami in 2015. So the blue areas, so those are the areas next to the river and, and the trees, you see that those are kind of lower than the average surface temperature in the city in the summer and the red areas are those areas that are hotter. And uh, what we've done is we have just remapped this so that the blue are those that are cooler and the red are those that are, are hotter. And what you can see from 2015 to 2020, is that you do have more areas in the city that are facing higher temperatures uh, from the urban heat island effect. However, if we want to think about an application of to what extent can trees be a nature-based solution to extreme heat in the future, you need to combine this data on where are the trees with where do people live, actually. So we combine this with population density data in Yame. And what we find is uh, generally the rule of thumb is if you're living within about 300 meters of green space, you can benefit from the cooling effects. Uh, whilst if you're beyond 300 meters, more or less, uh, you know, it's, it's harder to benefit from the cooling effects of trees. And so here, uh, what you see is that the blue areas are the areas in Yemé where you're living within 300 meters, and the yellow areas are where you're living beyond 300 meters. And the contrast or the intensity of the color is related to the population density. And so, what we can see is that the areas around the river and the trees. Uh, you have, you know, a certain amount of population, and actually, what we find is that 24% of the population is living uh, uh, you know, located in an area which is less than 300 meters away from trees. So this could be a, a viable solution. However, there are large parts of the city that will be exposed to extreme heat, and this is important when it comes to making localized policy interventions. And uh, as we were talking to our our colleague Niame, he was saying that you know one of the, the key aspects for the future is how do we preserve these green spaces moving forward. So, for example, Niame already has a petit sentier vert, uh, but this has now been included inside the city. And so, this was actually one of Luke's points in his presentation: is how do you preserve these natural spaces within the city that exist? So, all of this is data is available on the. Um, Mapping Africa Transformations platform. So we have the 2021, the 2020 values, excuse me, and we're presently updating with the Africopolis update for the 2021 green space values. We are also sharing this data with Digital Earth Africa, which is a geospatial platform um, hosted in, in South Africa. And so we'll be sharing our green space data with them. And so, also just moving forward on how this is relevant, you can use this in spatial analysis to inform strategies for climate resilience and also to, to guide planning, which I think will also be talked about in the upcoming 2024 uh, urbanization reports next year on how to sort of use this data better to guide planning practices. So, with that, I'd just like to say thank you. Um, please check out the data, it's also freely available and a free field. Email us if you have any questions. Thank you very much. Merci euh, infiniment, Brillet et Iris, pour vos présentations qui nous ont donné vraiment beaucoup d'éléments de réflexion sur l'utilisation possible des données produites et des analyses que vous pouvez faire en fait euh, à partir de Africa Police. Donc, je crois que toute la salle, vous avez vu que vous avez été bien ovationnés. C'est qu'on trouve que c'est très utile le travail qui a été fait que ce soit au niveau de la disponibilité des données, mais que ce soit au niveau effectivement de l'utilisation de ces données pour informer euh, les politiques euh, économiques et sociales hein, dans nos pays et d'aménagement surtout euh, de nos villes. Et je pense que toutes les questions que nous avons en tête, nous pourrons les, les, les poser ou intervenir après le panel qui va passer actuellement, parce qu'il y a un panel qui est annoncé. Panel, après la présentation et les différentes interventions du panel, toutes les questions que vous avez, vous pouvez peut-être les balayer depuis les présentations que nous avons faites cet après-midi pour un peu gérer notre temps. Donc, je vais passer la parole à Marie. Marie, si tu es à côté, c'est toi qui... Je te donne donc le bâton de commandement pour nous permettre non seulement de retenir la substantifique moelle de ce que les autres vont faire comme présentation, mais pour aussi avoir un peu d'espace pour discuter, pour qu'il y ait une interaction entre les panélistes et les autres et la salle qui est là. Donc je vais changer de place, s'il le faut, pour aller de l'autre côté. Marie Donc je vais inviter ici, il y a donc Marie, Philippe sera là. Il a Marie Bernard Camara Montero, Alix Françoise, le ministre Nyakadja qui reste en place, Alice Nabalamba et François Yatta. Donc, euh, Marie? So, why do people present take their seat on the panel? <clears throat> There's all also our colleague Alice Nabalamba from the African Development Bank, who was supposed to be with us in person, but an airline company thought differently about this. So, Alice is on Zoom, and she's the regional urban development coordinator with the African Development Bank and its infrastructure and urban development department. Uh, so, Alice is going to intervene via Zoom. Alors, pour vous réveiller, on a décidé d'alterner les langues, mais aussi d'alterner la, la présentation, en fait. Comme ça, ça vous redonne un, un coup de dynamisme. Euh, donc, moi, je vais présenter Mame Marie Bernard Camara Monteiro, qui est directeur de l'aménagement du territoire à Lumoa. Euh, c'est à nouveau à moi. Je vais présenter Alix Françoise, qui est chercheuse à l'AFD, ainsi que François Yatta. Bon, on le représente hein, pour ceux qui viennent de nous, de nous joindre, qui est directeur de programme à CGLE Afrique, donc Cité et gouvernement locaux unis d'Afrique. Et le dernier panéliste, c'est encore Monsieur Nakacha. Je pense qu'on vous a déjà présenté. Euh Merci beaucoup pour, pour être avec nous. On a, on a préparé quelques questions ici modérées, mais après, il y aura aussi d'attendre pour la salle de, de, de poser des questions. Euh, François, Yata, on commence. Bon, les données Africa Police confirment sans grande surprise que les zones urbaines en Afrique se développent très rapidement. Comment les gouvernements et leurs différents niveaux? peuvent-ils accompagner ce processus d'urbanisation et plus particulièrement que font les dirigeants nationaux et locaux pour planifier l'expansion urbaine et accueillir des nouveaux citadins Merci beaucoup euh, Philippe. Alors pour répondre à cette question, je vais juste vous raconter une initiative que nous avons au niveau de CGU Afrique. Alors, l'initiative s'appelle le City Enabling Environment Rating. C'est l'évaluation de l'environnement institutionnel offert aux villes, aux collectivités territoriales. Grosso modo, ça consiste à évaluer pour chacun des pays africains, quelle est la marge de manœuvre qui est offerte aux villes et aux collectivités territoriales pour la gestion de l'urbanisation? Alors, cette évaluation, nous la faisons en euh, basée sur une douzaine de critères, des critères qui vont aux dispositions constitutionnelles c'est-à-dire les discussions qui existent dans les constitutions des pays sur le renforcement des compétences et des finances des collectivités territoriales. Nous le faisons euh, aussi sur des indicateurs d'élection locale, c'est-à-dire de responsabilisation des, des, des populations au niveau local. Nous le faisons sur des indicateurs. Euh, de euh, transfert financier de l'État aux collectivités locales, de fiscalité, de renforcement de capacité, d'instauration d'une culture de la transparence dans la gestion publique, d'instauration d'une culture de la performance. Nous avons aussi des indicateurs sur le genre dans la gouvernance au niveau local. Nous avons des indicateurs sur l'existence ou non d'une stratégie urbaine au niveau national. Nous avons des indicateurs sur la prise en compte du changement climatique au niveau local. Grosso modo, une douzaine d'indicateurs. On vous enverra le document dans les détails euh, euh, plus tard. Donc, une douzaine d'indicateurs qui nous permettent de classer les pays africains. En quatre groupes. D'abord, il y a un premier groupe qui est ce qu'on appelle les pays en vert. Ce sont des pays où la marge de manœuvre offerte par le gouvernement central aux villes aux collectivités locales pour une meilleure gestion de l'urbanisation et une fourniture de services, cette marge de manœuvre est bonne. Nous avons des pays africains qui sont classés en jaune. C'est les pays où la marge de manœuvre est bonne, mais il y a des éléments qui méritent d'être améliorés. Ensuite, nous avons des pays en orange qui sont des pays où l'amélioration de la marge de manœuvre passe par des réformes structurelles. Et puis, nous avons des pays en rouge qui sont des pays où... La marge de manœuvre n'existe pratiquement pas, c'est-à-dire que ce sont des pays où l'environnement institutionnel national est adverse pour les collectivités territoriales. Alors, euh, euh, vous imaginez bien que les pays n'aiment pas qu'on mette, qu mette des notes. Et je vous assure que la première fois, quand nous avons publié ça à, à Dakar en 2012, lors d'Africité, à la réunion des ministres, il y a eu des, 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 des cris euh, stridents de ministres euh, qui se demandaient pourquoi vous avez donné 10 à mon pays, parce que la note c'est sur 48. Pourquoi vous avez donné 10 à mon pays alors que euh, moi j'estime que je suis mieux que tel ou tel pays, etc. Et mais ce qui est intéressant, c'est que, comme on dit, la nuit porte conseil. Après la première nuit, le lendemain, vous avez des ministres et des chefs de gouvernement qui nous disent Bon, euh, cette fois-ci, nous avons eu une mauvaise note, mais dites-nous quelles sont les réformes que nous devons faire pour que la prochaine fois, nous ayons une meilleure note. Et donc, ce qui fait que, à l'issue de cette évaluation, on a toujours, pour chacun des pays, quatre ou cinq réformes institutionnelles importantes. Que nous proposons au pays en disant mais si vous faites ces réformes là dans tel domaine eh bien vous allez améliorer l'environnement que vous offrez à vos villes et aux collectivités territoriales. Et avec nos partenaires nous avons mis en place des programmes de réformes institutionnelles dans plusieurs pays qui consistent justement sur la base de ce travail du et Rating qui consiste effectivement à aider les pays à mener les quatre ou cinq réformes identifiées. Au niveau au niveau national et cet instrument du CIRITING est utilisé y compris par la banque africaine de développement vous savez ils ont une, un secteur un département gouvernance à la banque africaine de développement où ils offrent des financements au pays sous réserve d'un certain nombre de réformes institutionnelles et ils ont intégré les réformes institutionnelles en matière de décentralisation il permet effectivement de décaisser de l'argent au fur et à mesure que les objectifs sont atteints dans les prochaines notations des pays donc voilà ce que je peux vous dire pour que ce que nous faisons de façon concrète pour qu'on donne plus de marge de manœuvre aux villes et aux collectivités territoriales pour cette gestion de l'urbanisation et nous le faisons en étroite collaboration avec les associations nationales de collectivités territoriales on merci beaucoup, mais la question qui s'impose, il y a combien de bons élèves sur les 54 il, faut que... il y a une quinzaine de bons élèves. C'est-à-dire, quand vous prenez les pays en vert et les pays en jaune, vous en avez une quinzaine. Ensuite, vous avez une bonne moitié de pays qui sont en orange, qui sont des pays pour lesquelles des réformes structurelles sont nécessaires pour améliorer la marge de manœuvre offerte aux collectivités territoriales. Et puis, vous avez un bon nombre de pays en rouge, je crois une quinzaine, qui sont vraiment des pays où l'environnement institutionnel, à l'heure actuelle, est adverse aux collectivités territoriales. Merci pour euh, cette précision, euh, François. Donc là, on a eu une, une première introduction euh, montrant une dimension nationale. Maintenant, passons à une dimension plus, euh, plus régionale euh, avec Mamé. Africa Police a également documenté l'émergence de grandes zones métropolitaines, dont beaucoup sont, euh, sont situées le long des frontières et qui connaissent une, une croissance des plus rapides. Alors que l'intégration... Euh, économique régionale s'améliore. Selon vous, comment cette croissance des zones urbaines peut-elle être mieux prise en compte dans les stratégies d'intégration régionale euh, Merci beaucoup, Marie. Euh, avant de répondre à la question, je dirais que c'est avec un grand intérêt que nous suivons l'outil Africa Police ainsi que tous les travaux importants qui ont été réalisés par l'OCDE et qui montrent Bien évidemment, la forte croissance urbaine dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays de l'espace UEMOA. Et nous savons tous donc les conséquences que cela entraîne en matière de, de, de besoins en logement, mais également en équipements et services sociaux urbains de base. Alors, comment intégrer donc cette croissance urbaine dans les stratégies de l'intégration régionale? Euh, tout d'abord, nous pensons qu'il faudra euh, mettre l'accent sur la planification urbaine et territoriale qui met en avant donc le renforcement des villes capitales, euh, en ce sens que pour pouvoir en faire vraiment de véritables pôles d'échange, aussi bien donc, euh, au niveau national, transnational et transfrontalier, pour pouvoir aussi accéder au, au grand marché, mais également mettre l'accent sur euh, le développement des villes moyennes. Euh, le professeur, le, monsieur le ministre Nyakadia a parlé tantôt de la macrocéphalie des villes capitales. Donc, il faudra donc renforcer euh, ces villes secondaires euh, du fait du rôle important qu'elles jouent entre euh, l'interface entre le milieu rural et le milieu urbain. François Ayata en a parlé hier, hier également. Et il faut dire également euh, que dans le cadre de, 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 de l'intégration régionale, lui et moi, a mis en place un important outil d'intégration et d'aménagement du territoire qui est le schéma de développement de l'espace régional. Euh, 2021-2040, euh, qui, qui est un document d'orientation euh, pour les États membres et qui les invite bien évidemment à élaborer ces outils de, de planification selon une double approche, aussi bien pour les villes capitales que les villes moyennes, pour euh, gérer l'étalement urbain et, et densifier donc les, les, les centres-villes. Et ce schéma de développement de l'espace régional identifie aussi euh, la cible majeure même de ce schéma, c'est les corridors, les corridors de développement qui ne sont pas seulement des corridors de transport, mais des corridors euh, euh, de développement intégré, qu'on appelle développement de, de intégré, qui sont vraiment... Euh, des axes de développement économique complets avec tous les outils modernes de développement en matière d'infrastructure, que ce soit les réseaux ferroviaires, euh, les lignes électriques. Donc, qui sont vraiment des espaces complets, des axes d'urbanisation. Il y a également euh, le, la question foncière qui est également importante et l'UMOA qui met l'accent également sur l'accès aux fonciers urbains euh, sécurisés. Et dans ce cadre, des euh, réflexions euh, sont en cours pour l'adoption d'une directive communautaire euh, pour euh, euh, l'harmonisation des règles régissant euh, euh, l'immatriculation foncière en milieu urbain, les titres de propriété, mais également le, 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 le système d'information euh, foncière. Et également, ce qui est important également en matière d'intégration régionale, c'est pour rejoindre aussi Africa Police, c'est les, 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 la promotion des observatoires régionaux urbains qui peuvent être arrimés à ce que l'UMO a fait euh, avec l'Observatoire régional d'analyse spatiale du territoire communautaire et qui est donc actuellement en, 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 en ligne. Et pour in fine, je mettrai l'accent, je pense le professeur, le ministre Nyakadia en a parlé, sur la gouvernance hein, pour, pour aller donc à une décentralisation effective dans, dans tous les pays car les villes sont un projet collectif et il faudra développer et promouvoir une gouvernance participative responsable afin d'anticiper donc ces transformations urbaines qui sont euh, très rapides donc c'est ce que je voulais dire euh, euh, dans un premier temps par rapport à, à, à cette prise en compte, euh, meilleure prise en compte de cette croissance urbaine euh, dans les stratégies d'intégration régionale. Je vous remercie. Je vous remercie, Mamé. Et en fait, je vais vous demander une petite information supplémentaire. En fait, on a vu dans les présentations précédentes et d'ailleurs au travers de, 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 de ce qu'a dit également François qu'il y a une forte hétérogénéité des situations dans la zone sur laquelle vous avez le mandat. Je voulais savoir comment, avec ces outils que vous avez développés, comment vous gérez ça. Comment ces euh, non intégré et parce que ça représente tout de même un, un obstacle. Mais est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu ce, ce point-là, s'il vous plaît Effectivement, c'est un problème assez complexe, surtout au niveau de nos pays, de, 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 de l'espace UMOA où souvent même nous avons une, des définitions même différentes de, 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 de la ville. Donc, on est. On, voilà, au, au sein de, de l'observatoire euh, dont j'ai parlé tantôt, l'observatoire régional de, de, de suivi du territoire communautaire, où le fait urbain occupe une place importante, nous essayons avec les États donc, euh, de, pour, de collecter, parce que toutes les données de l'observatoire euh, euh, proviennent des États. Dans chaque État membre, nous avons des points focaux aussi bien au niveau des, 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 des instituts nationaux de la statistique. Et euh, au niveau également, en ce qui concerne le, le, le domaine de l'urbain, au, au niveau des ministères en, en charge euh, de au ministère en charge de l'urbanisme. Voilà, autant pour moi. Et euh, nous essayons, c'est vrai, c'est un problème complexe. Nous essayons ensemble, en tout cas avec les États membres, de, de définir vraiment, les, les, d'identifier des, des pistes pour pouvoir euh, donc euh, résoudre ce, 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 ce problème. Parce que nous avons, il y a beaucoup de, de projets en vue. Euh, L'EMOA va lancer bientôt euh, une étude, une étude de référence pour euh, identifier les, les centres les grands centres urbains de référence mais également une étude de référence sur les villes secondaires afin de pouvoir euh, donc euh, mieux agir hein, sur ces sur le sur ces villes parce qu'il faut il faut savoir donc il faut d'abord identifier euh, les villes secondaires qui ont vraiment besoin d'être d'être et ça c'est je pense une étude de référence qui pourra nous le qui pourra nous le euh, qui pourra nous donner plus de précisions voilà je vous remercie donc euh, alix hein, je, je vais vous poser euh, également une, une question la, la présentation euh, Africa Police que, que nous avons eu auparavant par, par François Morriconi et, et, et par Patrick, notamment, souligne l'émergence forte et continue de petites agglomérations urbaines et quels besoins spécifiques voyez-vous dans l'accompagnement de ces petites agglomérations et des gouvernements locaux pour gérer l'expansion urbaine Bonjour à tous et, et merci l'invitation. Euh, je pense que le premier euh, besoin, de façon assez nette, c'est un besoin de, de financement. Euh, sur l'urbanisation, il y a eu un tropisme envers les grandes villes et les villes euh, métropoles, euh, d'une part. Et puis, euh, ce qui était souligné euh, tout à l'heure aussi, c'est que euh, sur le milieu rural, il y a un accent euh, sur... Euh, l'agriculture et la production agricole et donc les, les petites villes sont un peu les délaissés du, du financement urbain donc le premier point c'est c'est déjà l'accès au financement euh, donc la FDI contribue ainsi que d'autres mais euh, c'est bien en deçà des, des besoins et donc la question se pose de comment être efficace euh, avec les moyens qu'on a et face à, à l'ampleur et la rapidité du, du phénomène. Euh, et donc, euh, donc, on arrive au fait qu'on a besoin de politique déjà, de politique territoriale, et souvent, elle n'existe pas. Euh, et d'autre part, on a besoin de politique territoriale éclairée. Et c'est là aussi que, que rentre en ligne de compte l'outil Africa Police par toutes les données qu'il qu met à disposition euh, gratuitement en open source euh, aux, aux collectivités, aux, aux gouvernements nationaux. Euh, Africa Police, mais aussi en ce moment, on assiste à une révolution du, de la donnée géospatiale. Donc, il y a une multiplicité de l'information qui se développe, des, du traitement de l'information aussi. On a vu l'exemple avec euh, l'étude sur euh, les espaces verts en milieu urbain qui utilisent euh, les données euh, d'Africa Police. Et donc, euh, le sujet, ça va être, euh, comme disait Madame la Présidente, euh, pas forcément tout savoir mais euh, savoir où trouver l'information et, et j'ajouterai euh, comment euh, comment s'en servir euh, et donc euh, et donc là on arrive à la question de l'appropriation euh, de cette multiplicité de l'information par, euh, bah, les, par les principaux euh, concernés, euh, les, les gouvernements nationaux, les gouvernements locaux. Euh, et, et du côté euh, de l'AFD, je pense, euh, et comme tous, on a, on a plusieurs euh, façons de le faire. Alors la première, c'est des séminaires et des conférences comme aujourd'hui, qui sont un bon outil de, de dissémination. Le deuxième, peut-être, c'est travailler avec la recherche et les chercheurs des pays euh, africains. Euh, on l'a vu euh, avec euh, le, le travail sur, le, euh, sur le, les espaces verts en milieu urbain et, et le, la collaboration avec euh, le département de géographie de l'université de Niamey. Ça peut être de bons relais. Euh, L'AFD, comme les autres bailleurs, euh, en parallèle de, du financement de ces opérations, finance euh, des préparations de projets, du renforcement de capacités, des politiques territoriales. Donc ça, c'en est un autre. Euh, et je dirais qu'il y en a encore euh, deux autres. Euh, le premier, c'est le lien avec euh, les réseaux de villes, donc euh, notamment euh, CGLU. Euh, pour euh, faciliter les échanges entre pairs, euh, diffuser de façon un peu transversale euh, l'information et les agences de développement euh, appuient euh, les réseaux de villes dans, dans ce travail. Et puis, euh, et puis dernier point. Euh, qui a été évoqué euh, par Madame Montero de l'UMOA, c'est les observatoires euh, fonciers, euh, les agences d'urbanisme euh, qui sont présentes dans de nombreuses parties euh, du monde. Euh, en Europe, bien sûr, mais en Amérique latine, en Asie, en Afrique du Nord, au Maroc en particulier, et euh, qui restent assez peu présentes euh, dans un grand nombre de, de pays africains, et qui, qui pourraient donc euh, être aussi un relais. Je vous remercie. So yes, <clears throat> the first, the first important uh, aspect of what can what has to be done for these small urban agglomerations was the financing uh, uh, aspect, which leads us to Alice, and I hope she she is online. So Alice, considering this massive spatial expansion expansion of urban agglomerations documented by, by, by Africa Polis, there is a need to target funds to these new urban areas and smaller urban areas to improve the quality of uh, of the recent but also importantly of future urbanization what are the mechanisms the african development bank or other development banks are seeing to support these investment needs in the non capital cities thank you uh, thank you philip <clears throat> thank you philip uh, this is a good question before i go uh, further let me just give you Broadly, what the African Development Bank does. And uh, the bank has been in existence for the last uh, 60 years and in its uh, present uh, capacity uh, of lending uh, for about uh, 48 years. I want, uh, first of all, to also uh, use this opportunity to thank uh, the uh, Sahel and West Africa Club for the collaboration we have enjoyed together uh, for the last few years, which has culminated uh, in the uh, publication of a, a major uh, knowledge product, but also uh, a, lot other, a lot of other activities. The work has generated new and important data. That uh, is helping to influence policy uh, in African countries as well as, uh, uh, as well and helping them to to better plan for the uh, uh, new urbanization uh, urbanization trends. And I'm really encouraged. Uh, at least from this morning, we learned that the data is growing. The usage of data is growing on the continent. Uh, it could be better, of course and uh, i would like to commit ourselves and uh, other dfis uh, going forward to help uh, in this regard to increase uh, the usage. Uh, the data is equally important to uh, dfis such as the african development bank. as you might imagine, uh, we are looking at it for um, issues of resource allocation but also for identification of uh, future projects in the respective countries so in other words targeting uh, areas where the growth is happening faster and uh, not uh, neglecting areas where uh, it has uh, it may not be uh, happening at the same time uh, notwithstanding uh, the challenges for urbanization are, are still very uh, uh, remain uh, they're still very uh, high uh, because uh, our countries uh, our cities are not in the least uh, you know uh, prepared for the massive uh, growth they're about to experience in the next uh, few years or in the next in the coming decades the problem we, the problem is that we cannot address these uh, issues in isolation of everything else that is uh, happening uh, on the continent. National governments uh, uh, on our continent um, are working toward opening up territories and uh, improving connectivity across the board. Uh, this requires huge investments, uh, especially in infrastructure development. And for the most part, countries cannot do it uh, on their own. So it is no accident, therefore, that uh, as we talk to countries, uh, we talk to cities, uh, they are prioritizing infrastructure development. As the basis for uh, addressing rapidly uh, urbanized uh, growing areas, as well as, uh, as a vehicle for economic transformation for their populations. Last year, for example, the African Development Bank Board of Directors approved um, well over $8 billion in investments in areas that included uh, infrastructure development in roads and highways, in mass transit systems, airports, railways, uh, you know, ports, as well as in um, uh, water or um, power, power plant uh, installations and transmission lines and water and sanitation. This is necessary uh, for the continent, of course, uh, as you might imagine, to support both inclusive and climate resilient uh, growth in the regional member countries. Many countries um, are still recovering from the effects of COVID-19 uh, pandemic, while others are also experiencing a growing a growing debt burden, which uh, we have to come in at the same time and uh, you know try uh, and to support them so for me i think uh, or for the bank uh, uh, as such we feel that uh, urbanization is definitely uh, very very uh, important it's a major opportunity for us to address uh, you know, the needs of uh, the majority of people that are happening on the continent, especially as we've had 50 percent, more than 50 percent of the population are already living in uh, agglomerations of 10,000 uh, people and more. So that's very important. Number one, number two, uh, is the fact that uh, we are able to distribute um, our, you know, uh, thin uh, resources across. Uh, across the board, uh, very uh, easily when you have uh, people living in uh, the same areas. But uh, once again, uh, we have to uh, take into account the uh, priorities as as they said uh, by uh, by the governments that we work with. Thank you. Thank you, Alice. Um... Mm -hmm. Mr. Gnakaja, this leads me to another question. So it's it's about the priorities at the political level also to to make sure there's enough funding. And we heard in the presentation by our colleague Iris Wilhelm from the GIZ, so you have the political priorities that can be defined in the German strategy, but this then only works when also the African partners like the African Union, for instance, or national governments, also agree on the priority to invest in in urbanization. So how do we get there how, how do we get to to a situation where for instance the African Union or other regional economic communities or countries also express this need to to invest in, in urban expansion I, I believe that uh, we must start by taking the wealth of uh, data information and uh, analysis that are available here to them uh, and may I say here that uh, you have uh, one or two steps uh, to take reaching out to them, uh, bringing them to understand what it implies, what the data are saying regarding the potential for driving territorial uh, development, not just urban, but territorial development, what it implies for food security, what it implies for uh, in uh, integration, what it implies for um, Building the resilience of communities. And that's the, the, the potential of uh, urban development to, to drive territorial development and therefore to drive growth, uh, inclusive growth. That is what they need to understand. And uh, they may not get it uh, because I, I think the, the colleague from GIZ said that uh, the, the AU have not yet prioritized urbanization per se as uh, a potential for growth for Africa. While if there's any region in the world where urbanization can do that, it is in Africa. So uh, I think there's a, a, a need to bring them to get the message and uh, to put numbers on the potential. Because the, it's not speaking to the ministers of uh, uh, urban development, but the minister of finance, the minister of. Uh, now there's a, a whole movement of designing. What they call uh, PND, Plan National Development. How uh, urbanization fits into those national plans for, for for development, and what are the steps for it? Now, uh, speaking about uh, uh, resource mobilizations, that's another area where people, uh, most of uh, well, ministers of finance believe that investing in uh, urban development uh, is uh, like throwing money away it's uh, that perception need to change but how it can change is also by uh, showing case that uh, cities can mobilize resources they have a potential of mobilizing resources so uh, urban uh, cities credit worthiness is something that uh, takes a, a specific work one of the the steps to get there is for the city to apprehend its own territory if the uh, the territory uh, the and the land is the first resource for cities and they don't know they, don't, they can't even define their own territories they can't take it, make anything out of it so that's those are the things that that could help if i may say okay thank you so so i agree uh, perfectly and this means we already have the topics for the next reports okay. Unfortunately, we are a small team, and I mean, it takes two years to produce one report. So, I think this is also a call for more collaboration, so that we increase our capacity to produce this evidence and these arguments in favor of, of uh, investing in, in urban expansion. Also, because we have heard that you know we have two generations to to kind of get it right, because then this has happened, and it's afterwards more expensive. Yes, please. Yes. I just want to add something. Uh, that is the core of my message. Uh, helping them, helping ministers, uh, development ministers, finance, finance ministers to understand the potential of urban informalities uh, in generating uh, growth, in, uh, in entrepreneurship, in in job creation, and how this could be capitalized on, how this could be uh, you take into strategies uh, for. Sustainable development, that's another area where there's a, a lot of work that are needed, and it takes data as well. Many thanks. Um, en fait, avant de revenir avec quelques petites questions, nous souhaiterions ouvrir déjà euh, vers la salle. Donc, je vais essayer d'être aussi convaincante que euh, notre présidente. Pour vous inciter à poser des questions à, à ce panel remarquable euh, qui a déjà euh, répondu une, une première fois. Et euh, donc, je, je vous invite, euh, soit à vous euh, qui êtes en, en virtuel ou, euh, ou soit ici, à, à poser vos, vos questions. Je vous en prie. Nous avons déjà une première question de la part de notre présidente. Donc, je vous en prie, on est en train de vous descendre le, le micro. Oui, merci beaucoup. C'est pour euh, encourager les autres à, la, à prendre la parole parce que c'est un panel très intéressant. Mais je voudrais aussi euh, répondre au ministre Nyakadja qu'en réalité, bon, ça me parle parce que moi, j'ai été ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Et j'ai eu des discussions avec la mairie pour dire que nous pouvons travailler ensemble afin, comme vous le dites, de lever des ressources en travaillant au niveau local. Et d'ailleurs, même, j'ai fait mieux. J'ai même fait partir une mission conjointe de ma ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire avec des représentants de la mairie et du ministère chargé de l'administration du territoire. Ils sont partis donc en mission conjointe au Maroc pour voir comment ils travaillent sur les questions de financement du développement local. Donc, c'est pour dire que lorsque des initiatives existent comme ces initiatives-là, qui sont en tout cas prises, je pense qu'il serait intéressant d'ouvrir un dialogue, pas seulement avec les ministères sectoriels, parce qu'il ne faudrait pas qu'on essaie de voir cette question comme une question justement d'un secteur donné, mais c'est une question de développement. Donc, des ministères qui ont un rôle transversal devraient être aussi impliqués au niveau du dialogue. C'est le message que je veux donner parce que le travail est très bien fait. Qu'on le veuille ou pas, il y a une dynamique qui est là. Au niveau, des villes, au niveau des villes secondaires et principales, etc., on ne peut pas esquiver la question. Il faut voir comment l'utiliser de manière efficiente, étant donné que les ressources sont limitées et que les priorités aussi sont multiples. Donc, il faut amener ce dialogue-là pour montrer qu'investir dans ce domaine. Peut apporter de la valeur ajoutée de façon globale au niveau du pays. Voilà un peu ce que je voulais faire comme commentaire. Maintenant que je suis de l'autre côté ici, je suis à l'aise pour pouvoir m'exprimer. <laughs> merci. Ok, le micro est vacant. Ah, merci. Je crois qu'il y a une question de notre ami du SILS. Ah, ben bah oui, c'est voilà. Jean a décidé que tu allais poser une question. Donc. <laughs> non, je ne poserai pas de questions. Je vais commenter. <laughs> Parce que depuis le matin, à un moment donné, j'ai dit, j'ai lancé un truc, j'ai dit que nous avons démissionné. Ce matin, j'ai dit nos autorités ont démissionné. Ce n'est même pas nos autorités, c'est nous qui avons démissionné. Et quand je vois tous les chiffres qui ont été donnés ici en termes d'évolution de nos villes, et tous les problèmes qui s'accompagnent, qui accompagnent cela, le manque d'aménagement, le manque de planification. Euh, je ne voulais pas effrayer les gens, parce que au vu de ça, je dirais qu'en fait, nos villes deviennent des mouroirs. Le terme je le mets entre, euh, entre parce que il y a des faits qui nous montrent aujourd'hui qu'en fait au plan climatique, vous avez parlé de ça tout de suite, il y a des événements extrêmes. Nous rentrons dans une période où véritablement nous allons faire face dans toute cette région de l'Afrique de l'Ouest à des événements extrêmes. Des pluies euh, violentes, des inondations. Or, la plupart de nos villes... Vous prenez les villes côtières, elles sont pratiquement la plupart en dessous du niveau de la mer. On parle de réchauffement climatique. Et le risque majeur, c'est quoi? C'est que ces villes disparaissent un jour. Et les villes qui sont à l'intérieur, comme les villes sahéliennes, elles sont pratiquement toutes dans un trou. Il suffit d'une pluie. De 120 mm, 150 mm pendant deux heures, trois heures de temps, vous ne pourrez même pas sortir de chez vous. On ne peut pas circuler. Bon, on a vécu le cas malheureux à Ouaga en 2009, où pratiquement l'eau est arrivée au toit des maisons. On surprit les gens en train de dormir ou bien ils sont dans leur maison et ne peuvent pas sortir. L'eau a dépassé le niveau, le seuil de la porte. Il a fallu sortir les gens par le toit. On ne peut plus ouvrir, en fait, les Ça, c'est au plan des infrastructures. Tout ce beau monde qui quitte, en fait, euh, les campagnes pour venir, en fait, euh, en ville, il n'y a pas les infrastructures qui suivent. Il y a des gens qui sont à qui ou bien à Bamako, ou bien à Niamey, qui ne peuvent pas se soigner. Ils sont malades, mais ils ne peuvent pas se soigner. Ils ne savent pas où aller. Là où il faut aller, ils n'ont pas les moyens d'y aller. Ils restent avec la maladie, ils y meurent. Voilà l'état de nos villes, en fait, aujourd'hui. C'est la triste réalité. Et donc, encore une fois, ce que je veux dire derrière ça, c'est bien ce que nous faisons. Je pense qu'en fait, ça, c'est un véritable outil de sensibilisation, de plaidoyer en direction de nos autorités, mais je pense qu'en fait ce c'est pas seulement de mettre en fait euh, ces éléments là dans la base de données et que les jeunes viennent accéder à ça. Je pense qu'en fait il faut saisir ces éléments là et en faire des éléments de plaidoyer, de sensibilisation. Et là je m'adresse à Limois, vous êtes dans le domaine, vous travaillez sur les questions foncières, la CDAO Moi je pense qu'en fait ça c'est sont des éléments qu'il faut saisir pour faire des notes aux décideurs, pour il faut saisir pour faire du plaidoyer à l'endroit des États, et qu'ils sachent dans quoi on est aujourd'hui. Ça, c'est des risques réels qui sont là et qui, et qui nous entourent. Voilà. Donc, je m'arrête là. C'est pas pour effrayer les gens, mais je pense qu'en fait, euh, au vu de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est bon aussi que les gens comprennent qu'il y a assez de risques, en tout cas, à vivre dans les villes aujourd'hui. Tout de suite, quelqu'un me disait qu'en fait. Euh, euh, la périphérie dont on parlait. Quand les gens arrivent à la périphérie, ils, ils coupent des arbres. Ils coupent des arbres pour pouvoir s'installer. Donc ils agissent sur l'état de la surface du sol. Hein? Ils coupent des éléments qui peut être constitués des éléments d'endiguement par rapport en fait à l'eau qui doit rentrer dans la ville et autres là. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui sont là. On change la surface du sol. Et ça, ça constitue d'autres autres risques climatiques et autres-là qui peuvent, en tout cas, des risques d'inondation, des risques d'autres calamités qui peuvent arriver au niveau des villes. Donc voilà ce que je voulais dire en termes de commentaires pour compléter toutes ces importantes analyses sans pouvoir faire, faire peur aux autres. Bon, mais, merci. Merci beaucoup. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que si on dit que les problèmes ne sont pas connus, on, on se trompe. Et c'est dans ce cadre que je vais peut-être déranger Monsieur le ministre et mon frère Yatta. Est-ce que ce problème-là, ce n'est pas une question même de gouvernance locale? Parce que le problème est... Il y a des exemples. Hein? Et vous avez des milliers d'exemples également à citer. J'ai vu les gouvernements locaux, les responsables, qui ont vendu tous les espaces qu'on avait laissés. Les espaces verts, ce qui était destiné aux, dispense, aux, aux, aux dispensaires, aux écoles, tout est vendu. C'est vrai qu'on parle de problèmes de moyens, de financement et autres, mais un, maire qui vend tout ça, est-ce que ce maire-là, on peut le donner, dire qu'il y a une vision en termes d'aménagement, d'urbanisation, etc. C'est ça le, le, le vrai problème. Je sais pas, comment refonder la gouvernance locale C'est ça vraiment la question que je pose euh, euh, au ministre et puis euh, à mon frère Yata. Merci beaucoup Jean. Donc je, je pense que là, ça appelle, appelle une réponse. Euh, en attente également, il y a une il y aura une question de la part de François euh, concernant la présentation qui a eu lieu avant, parce que j'ai omis de vous dire que bien sûr, euh, nous attendons des questions pour euh, la présentation qui vous a été faite sur, euh, sur Africa Police et, et sur sa mise à jour et, et, et tous les autres panels qui, qui ont accompagné, euh, accompagné ceci. Donc, je passe la réponse. C'est à vous de voir qui, qui prend le nid entre Luc ou François. Merci bien, Yatt. Sans oublier la dame de l'Umoa, je crois qu'elle a été interpellée également. <laughs> euh, trois choses ont été dites. Euh, Madame la Présidente, vous avez mis l'accent sur la nécessité d'un dialogue avec tous les ministères. Oui, c'est essentiel. Mais ce qui a est encore plus essentiel est l'exemple euh, du succès de Curitiba ou de Medellín. J'aurais aimé pouvoir donner des exemples en Afrique, mais je n'en connais pas. Si quelqu'un en connaît, euh, j'aimerais qu'il qu qu éclaire à l'antenne. Ces exemples-là ont montré aussi que le dialogue qui a permis ces succès, à savoir capitaliser les informalités urbaines, a été un dialogue. Qui a mobilisé les acteurs de l'informel de manière à pouvoir mobiliser leurs actifs et que l'investissement public, qu'il soit national ou local, puisse capitaliser ces actifs-là, les conforter et les valoriser. Donc, je voulais ajouter ça à ce que vous avez dit. En ce qui concerne notre ami du Siles, vous, vous, vous ne me faites pas peur, mais euh, je ne veux pas vous laisser dire que nos villes sont des mouroirs. Tout ce qui a été présenté hier et aujourd'hui a montré que la croissance, un tiers de la croissance se fait là-bas et que ceux qui vivent en ville, euh, en fait, vivent mieux. Et, mais non, c'est vrai que le, le risque climatique est d'abord un risque urbain et surtout un risque qui est concentré dans les zones dites informelles sans infrastructure. Donc, la vulnérabilité africaine n'est pas liée à la nature du, du, des chocs climatiques, mais à l'absence d'infrastructures dans des zones qui, normalement, pour l'essentiel, auraient été ou devraient avoir été non dit Et ce qui m'amène à, à, à répondre à ce que le directeur a dit, euh, oui, c'est une question de gouvernance locale, mais pas que. Euh, le, le maire, il n'a pas la capacité de mobiliser même de démontrer euh, sa, la solvabilité de sa ville. Vous connaissez bien l'exemple de, de Dakar qui était prêt, euh, après avoir euh, fait euh, évaluer sa capacité à, à rembourser, Dakar était prêt à mobiliser, je crois, euh, 10 millions de, de, de dollars pour euh, refaire le marché Sandaga et tout autour. Mais c'est la politique nationale qui n'a pas permis que cela se fasse. Euh, les, et donc l'insuffisance de décentralisation qui n'a pas permis cela. Donc, c'est vrai que c'est une question de gouvernance locale, c'est aussi vrai que dans, dans le dénuement et, et aussi euh, pour des questions de, de corruption, il faut l'admettre, il faut beaucoup de maires vendent toutes les réserves, y compris celles qui devraient permettre les infrastructures et aussi même les zones qui devraient permettre les, les espaces verts. Donc, oui, c'est une question de gouvernance locale. Mais nos pays ont besoin de, de conforter la décentralisation, de transférer les ressources et les capacités, et d'aider les villes à euh, euh, à démontrer leur capacité à maîtriser euh, non, leur capacité à mobiliser des ressources propres qui leur permettrait de mobiliser des ressources euh, externes. François oui, merci beaucoup non le, le, le grand frère aime poser toujours des questions très difficiles <rire> mais <rire> on, va, on va essayer de répondre non, est, il, il est il est clair que la corruption est une euh, donne à prendre en compte hein. c'est pourquoi parmi les, les critères là, les 12 critères sur l'évaluation de la qualité de l'environnement institutionnel, il y a un critère sur la transparence, et ce critère se traduit ainsi les pays où les collectivités territoriales sont auditées chaque année et de manière indépendante, ces pays-là ont une meilleure note. Nous avons eu un, 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 un long bras de fer avec notre, notre conseil d'administration puisque le conseil d'administration de CGLUA s'est représenté par trois maires, présidents de région ou gouverneurs élus de chacune des cinq régions d'Afrique. Donc, ce critère-là a fait l'objet de débats parce que ça a été mal perçu par certains maires ou présidents de conseils régionaux qui disent, mais attendez, vous n'allez pas donner une meilleure note à des pays où on nous harcèle par des audits et tout. Et nous, on disait non, mais c'est une très bonne chose. Là où il y a des audits. Ça veut dire que euh, on s'assure de la bonne utilisation de ressources et aucun ministre de l'économie et des finances, Madame Ella, ne sera d'accord pour donner plus de ressources aux collectivités locales si, parallèlement, il n'y a pas euh, 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 un certain nombre de mesures qui sont prises pour s'assurer de la bonne utilisation de ces fonds. Bon, maintenant, effectivement, vous avez aussi la politique qui rentre dedans. Il euh, y a des pays où, si vous êtes de l'opposition, on vous cherche des pouces sur votre crâne rasé. Si vous êtes de la majorité présidentielle, vous pouvez presque faire ce que vous voulez. Bon. Ça, c'est la nature, je dirais, de la, de la politique et de la gouvernance dans notre pays. Je me rappelle, une fois, je me suis plaint, et puis il y a un ancien premier ministre du Kenya qui m'a dit, Monsieur Yata, le jour où vous serez premier ministre, vous verrez que si vous prenez 60% des décisions au niveau national sur des bases objectives, vraiment, vous serez apprimé. C'est ce qu'il m'a dit. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même d'autres euh, considérations qui rentrent en, en ligne de compte, mais qui ne sont pas du tout bonne pour la gouvernance au niveau local, et ça, je suis d'accord avec vous. Sur le, le, le deuxième point, c'est en même temps une, une question pour, pour François moriconi brard qu'on lit depuis très très longtemps. Et, et en fait, le, 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 c'est vrai que il manque de données. Moi, je suis toujours surpris quand je me balade dans les pays de de voir des dirigeants à un haut niveau qui vous disent que l'Afrique est à 95% rurale et tout ça et tout ça. Alors, le pourquoi, c'est que les, les, les politiques après les indépendances ont été vraiment marquées par ce qu'on appelle le biais urbain. Tout le monde se, la, se rappelle de, des écrits de Lipton. Euh, de euh, L'Afrique noire est mal partie, euh, Ville cruelle, Eza Boto, tous ces écrits qui ont influencé les stratégies nationales de développement après les indépendances et qui accusaient pratiquement les villes d'être des boulets pour l'économie et pour le développement au niveau national. Mais ça, cela s'est traduit par le fait que très peu de pays aujourd'hui en Afrique ont une stratégie urbaine. Nous, nous avons fait le point, il y en a une quinzaine en réalité. Et il y a à peine cinq pays qui ont euh, une stratégie urbaine en lien avec la stratégie nationale de développement. Donc, moi, ce que j'aurais voulu aussi en, en termes de plus pour les, les, les décideurs au niveau national, c'est pour chaque pays, je ne sais pas si on peut faire une fiche avec, euh, pourquoi pas, une proposition de, de, de stratégie. Mais il y a des villes, par exemple, si je prends le Nigeria, où vous avez un réseau de villes secondaires, de petites villes très, très denses, sur lesquelles on peut bâtir une stratégie, par exemple, de vocation des, des espaces, des territoires. Euh, 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 contrairement à des pays comme, comme le Niger ou, ou comme d'autres pays où vous avez une seule grande ville qui est vraiment la capitale, et puis vous n'avez pratiquement pas beaucoup de centres urbains. Donc, ce que j'aurais souhaité et ce que je vais suggérer, c'est que la prochaine fois, qu'on prenne en compte euh, euh, peut-être euh, des fiches pays avec des, des propositions. Le troisième point sur lequel j'aimerais aussi élaborer, c'est peut-être sur la prise en compte de la dimension spatiale. Je pense que la présentation de l'urbanisation telle que c'est, c'est vrai que pour ceux qui travaillent sur les questions urbaines et sur les questions rurales, c'est quelque chose. Mais je pense que pour, enfin, madame me dira si c'est vrai ou faux, pour un ministre de l'économie et des finances, Peut-être que ça ne dit pas beaucoup de choses. Je m'explique. Euh, Comparer les comptes économiques euh, euh, du Nigeria et du Niger, par exemple, la présentation des comptes économiques du Nigeria et du Niger. Le Nigeria, plus de 100 millions d'habitants, je ne sais pas, euh, près de deux tiers du pays urbanisé avec un réseau de villes euh, moyennes très, très fort. Le Niger, euh, 20 millions d'habitants. Euh, une seule grosse ville, des petites villes, etc. Mais les tableaux de bord économiques au niveau national sont faits de telle sorte que ça ne se voit pas. Donc un ministre de l'économie et des finances, de toute bonne foi, n'a pas vraiment une vision de ces choses-là. Est-ce que... On ne va pas peut-être travailler aussi avec les instituts nationaux de statistique pour compenser cette vision euh, d'économie spatiale, pour donner un peu plus de, 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 de vue à ces choses-là. Et pour donner un exemple concret, vous voyez, euh, il y a une dizaine d'années, euh, moi j'étais à, à Bobo, on, on, on appuyait la ville de Bobo du Lasso pour une stratégie de développement économique. Et puis, il y a le ministre des PME, PMI, qui est passé en visite à Bobo. Il a été reçu par le maire de Bobo. Et le maire de Bobo lui a dit, comme ça dans la blague, Monsieur le ministre de Bobo. Bon, le ministre n'est pas originaire de Bobo. Bon, d'abord, il n'a pas compris. Et puis, le, le maire a, a insisté, Monsieur le ministre de Bobo. Et le ministre a fini par dire Mais moi, je suis ministre de la République, et je ne suis pas ministre de Bobo. Et le maire lui dit. Mais, monsieur le ministre, vous vous occupez des PME-PMI. Et la moitié des PME-PMI dont vous vous occupez sont ici à Bobo. Donc, c'est pourquoi je vous appelle ministre de Bobo. La moitié des PME-PMI sont ici. Bon. Vous vous rendez compte Même en termes d'efficacité des politiques publiques, si moi je suis ministre, je m'occupe des PME-PMI et que malheureusement, l'information que j'ai ne me permet pas de spatialiser pour savoir où sont les PME-PMI. Quand on sait que pour les PME-PMI, la localisation est importante, non seulement en termes de, de consommation intermédiaire, de sous-traitance, euh, d'évacuation de la production, etc., c'est très important. Et donc, ne pas connaître ça, je pense que... Avant même les questions urbaines, pour le ministre, c'est quand même un manque. Peut-être que s'il connaissait que la moitié de ses PME-PMI était dans la ville de bobo du peut-être qu'il aurait promu, promu des politiques euh, qui auraient renforcé les politiques urbaines et qui auraient fait en sorte que son secteur soit effectivement mieux pourvu en termes de politique publique. Donc, c'est ça que je veux dire. Peut-être que si on arrivait à spatialiser en plus de la population des activités économiques ou bien avoir une vision spatiale de l'économie, peut-être que ça parlerait mieux aux, aux, aux responsables économiques au niveau national. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, j'ai failli te couper un peu, François. Donc la prochaine fois, comme je suis en charge du compteur, merci, même si tu es très intéressant. Euh, je voulais savoir si également parmi le panel, il euh, y a, y a des, des personnes qui souhaitent répondre entre Mamet et Alix avant de, de passer ensuite la, la parole à Alice. J'appelle également le panel, si vous le souhaitez, à réagir par rapport à la présentation qui a eu lieu avant vous. Euh, sur, euh, sur l'expansion urbaine entre euh, 2015 et puis euh, celle, celle maintenant. Donc, n'hésitez pas. donc Est-ce que vous, vous souhaitez prendre la parole ou... Euh, à la contribution de, du, du représentant du, du CIRS euh, euh, sur le plaidoyer, qui est effectivement important. Et je pense, lui et moi, le, le, le fait. Le, le fait à un plus haut niveau. Madame le ministre des, des Finances est là. Déjà, c'est une approche pour, tout, pour toutes nos politiques. C'est une approche donc déjà participative avec euh, euh, les États membres, mais également euh, en fait, les experts d'abord. Par, okay, par exemple, pour la directive sur le foncier, et, elle a été euh, euh, validée par le. Le, les ministres en charge de l'urbanisme et ce sont les ministres des Finances, le, le conseil des ministres statutaires qui, qui doit donc se, page, se pencher sur ces questions-là. Et aussi, lui et moi, euh, également, fait des revues, des revues annuelles euh, au sein des États membres pour rencontrer. Euh, déjà, il y a un niveau technique avec les experts, maintenant, au niveau politique, il y a les ministres des Finances et puis euh, souvent le premier ministre. Euh, voilà. Pour dire que le plaidoyer se, se fait vraiment à un plus haut niveau, en étroite collaboration donc euh, avec les États membres. Merci. Merci beaucoup, Alix. Non Non, moi, c'est peut-être juste euh, compléter ouais. la, la question. Il y avait une yes. question sur la vision urbaine euh, des maires. Et, euh, et, et je m'interroge aussi. <laughs> Et donc, euh, preneuse de. Je relance la question qui n'a pas été complètement répondue. Merci beaucoup. Donc, euh, Alice, euh, j'espère que vous nous entendez bien. Uh, you have the floor. Yes, I can. Uh, I do hear you well. Um, I had a question about the data that was presented earlier, especially the update from 2015 to 2020. Uh, where we saw that uh, we have not been able to update uh, the data for uh, Nigeria and I'm wondering what kinds of uh difficulties is uh, SWAC facing uh, with regard to updating uh, that data and the reason is as follows uh, Nigeria is the uh, probably the leading uh, uh, economic uh, uh, can, uh region uh, on the continent. Um, it would be good to have uh, more accurate data and more updated data uh, that we are working with, uh, especially for those that have to invest in that country, uh, but also for you know projects such as ours uh, that uh, are increasing uh, in number uh, in Nigeria. Thank you, Alice. Patrick, François, I see you're already together. Um... Oui, je pense, je pense que je vais répondre. Euh, pour le Nigeria en particulier, la, le problème, c'est l'ancienneté du dernier recensement, puisqu'il date de novembre 2006. Euh, et donc, euh, bah, depuis 17 ans, ça a beaucoup changé. La deuxième difficulté, euh, le, 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 Niger, le Nigeria est vraiment représentatif de... de la plupart des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est euh, longtemps, ça a été longtemps, le, la difficulté d'accès à des données localisées, puisque en fait, euh, on a euh, une trentaine d'États, si je me souviens bien, de States, euh, et euh, 31, peut-être, je ne sais plus. Euh, ensuite, on a des local government areas. Qui ont été créés en 1994 si ma mémoire est bonne. Excusez-moi, je ne sais pas tout par cœur, mais enfin bon, quand même à peu près. Euh, et ces LGA ont effacé complètement les périmètres des municipalités qui existaient autrefois, c'est-à-dire du temps euh, euh, après l'indépendance, il y avait des municipalities, il y avait des euh, municipal councils, il y avait des cities, il y avait des, des towns, il y avait des town councils. Enfin, il y avait toute une, c'est un peu comme en Angleterre en fait, hein, toute une euh, des, des catégories en fait de des district councils aussi et en fait le découpage était complètement refait euh, par exemple Ibadan c'est euh, divisé en nord-ouest sud-ouest etc qui inclut à côté des parties urbaines centrales des périphéries très très loin en fait de la ville hein, puisque en moyenne un euh, LGA c'est 1000 km carrés hein, vous imaginez c'est euh, ça fait, c'est quand même énorme, hein, c'est 30 sur 30. Donc, c'est un niveau qui n'était pas suffisant pour discréditer l'urbaine rural Et en plus, on n'a plus de, de catégorie euh, urbaine rurale officielle. C'est-à-dire, quand vous lisez dans les publications internationales telles que Nations Unies, machin, etc., quand on vous dit euh, il y a 57% d'habitants, ben, euh, sur quoi ils se basent Puisqu'il n'y a plus de ville depuis 1994. Il n'existe plus. plus hein. C'est très clair quand même. Hein. Euh, et donc, euh, donc la seule base, à mon avis, qui est vraiment euh, enfin, euh, de référence, c'est quand même Africa Police, parce que nous, on a on a essayé de faire l'effort de de redéfinir les périmètres urbanisés. Et puis, bon, bah, il faudrait euh, absolument refaire un nouveau recensement, ça c'est sûr. Au moins. Euh, une comptabilité, enfin, comptage de la population, sachant que je pense que l'état civil qui peut être utilisé dans des pays euh, comme euh, des pays d'autres pays émergents euh, sont pas très fiables. Je pense que tous les bébés ne sont pas euh, recensés, enfin euh, dans les fichiers d'état civil et les décès non plus. Donc du coup, euh, pendant 17 ans, depuis 17 ans, on n'a plus de données sur le Nigeria. Euh, même si on a pu récupérer un fonds par ward, hein, donc, euh, avec 9900 euh, unités spatiales, mais toujours avec ce problème que sur ces wards-là, on n'avait que le recensement de 2006. Voilà. Donc, euh, le Nigeria il résume à lui tout seul euh, euh, 90% des, des problèmes qu'on peut rencontrer, et surtout ce problème d'absence de ville, que j'aimerais bien qu'on m'explique quand même. I think, Luke, you wanted also to come in. Oui, j'ai une question pour euh, le professeur euh, euh, François Moriconi-Ebra. Vous avez dit, j'espère que je, je vous ai bien compris, qu'il y a un début de déclin de la population des centres-villes, des grandes villes. Mais vous avez dit aussi que l'Afrique euh, se, se métropolise. J'ai l'impression que ces deux, deux acceptions euh, potentiellement contradictoires. Est-ce que vous pouvez... Euh, élaborer un peu plus à ce sujet Merci. Oui, c'est une bonne question. En fait, euh, il, on ne parle pas de la même échelle. C'est-à-dire, à, à l'échelle d'une agglomération, on a une, un creusement en fait, du milieu par la dépopulation du centre, le déclin du centre au niveau résidentiel. Ce n'est pas un déclin des prix du sol, euh, etc. Hein c'est un déclin de, de la densité de population. Par Contre, si on se place à l'échelle du pays, par exemple le Bénin ou euh, un entier, en fait vous avez euh, pratiquement, je ne me souviens plus, mais c'est genre 80% des nouvelles agglomérations qui sont apparues entre euh, Abomey et, et, et le littoral. En fait, hein. Donc on a une concentration au niveau euh, régional par rapport au reste du pays et on a une déconcentration au niveau. C'est un peu, si vous voulez, euh, vous aviez avant un. Euh, un chapeau mexicain quoi en fait et puis maintenant on a une espèce de chapeau avec un creux comme ça vous voyez ce que je veux dire si on fait la courbe des densités la coupe pardon voilà c'est juste les... c'est ça qui est important la prise en compte de l'espace c'est aussi la prise en compte des échelles il y a des choses qu'on peut pas faire à une certaine échelle et qui sont euh, recommandées à d'autres échelles mais euh, on peut avoir des contradictions entre les échelles I would just add to that uh, before I pass it on that the decline in population in the centers of cities does not mean that the centers of cities are in decline. Uh, often, when the population declines, it's because wealthier households are moving in, or because, as Professor Morricone stated during his presentation, because uh, uses that Take advantage of lower land value, like dense low income communities, are being replaced through market mechanisms with uses that take advantage of higher land value, like uh, offices and industry. There's a une question in the it's always a question, euh, for euh, Patrick and euh, François Maricon Donc c'est sur les sources de données pour avoir vraiment beaucoup plus de précision. Est-ce que vous avez des métadonnées sur le site suffisamment précises? Donc vous avez parlé d'images satellites. Je voulais savoir de quel, de, quel, de quel satellite, du coup, ou de quelle agence de recherche les images ont été processées, puisqu'en fonction du satellite, du coup, on n'a pas les mêmes résolutions, les mêmes informations, la même, la même couverture. Donc est-ce qu'on trouve ça dans le métadata Est-ce que vous pouvez en dire un mot Deuxième question sur les données, toujours. Euh, vous avez donc effectivement parlé des recensements et des estimations officielles. Étant donné que vous avez vous-même indiqué que euh, euh, les, les villes se définissent euh, de manière un peu stricte, donc j'imagine que les recensements sont définis avec les, les, les frontières administratives des villes. Donc comment vous faites pour avoir quelque chose qui est une frontière administrative vous avez, vous avez parlé de Maputo tout à l'heure, de Mozambique. Euh, donc, il y a une frontière administrative. Donc, j'imagine que la population qu'on a, c'est par rapport à cette frontière administrative. Et donc, on n'a pas la population dans les recensements et dans les estimations officielles, j'imagine, euh, sur les zones qui sont à l'extérieur de cette zone administrative. Donc, comment vous faites pour recouper euh, les deux euh, Voilà. Et voilà, c'était mes deux questions principales. Après, j'en ai plein d'autres. Mais... Retaining the focus on the panel at the front, what I would say is, uh, we do have methodological notes that are available. There have been a number of publications by Professor Moriconi and others that outline the methodology in more detail, and more detailed metadata is available on the site. the 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 approach to uh, to calculating the demographic characteristics of the urban agglomerations varies depending on the quality of the input data, and probably being 54 countries we wouldn't want to get into all the details here but we'd be happy to continue that and explain it in more in more detail in a smaller group i think there's one more question up there thank you patrick <laughs> yeah a... next time you can walk and talk <laughs> no it's it's, it's a kind of a con it's a conflict of interest actually thank you um, thank you so much for the presentations i'm really looking forward to exploring how to use the data despite these methodological challenges which are always existent when you're looking at uh, an enormous region like this um, to hopefully better understand the urban transition in africa the way that we've observed this in other global regions um, also i just wanted to echo the importance here that uh, mr yatta and the minister already mentioned which is Creating a stronger link between urbanization and economic growth more broadly. And uh, the case study that's on the website that's produced in Addis is one example, but I think that going uh, maybe to a bit more granular level of, um, of data might be helpful. And maybe some mix, mixed methods, uh, which is something that I think would be really interesting, taking this spatial data, uh, but also trying to understand, especially capturing information in areas with strong informal economy, I think it is important there. So I have two quick questions. Questions. Um, the first is in regard to the interplay between territorial development and infrastructure investment that was mentioned by several of you on the panel, and how governance plays a key role here. Um, and we've talked a little bit about internal issues, internal politics, um, but I wanted to think a little bit about internal, external politics and incentives, given that we have the African and German development agencies present. Um, so the question is how do we manage the tensions between accessible financing from infrastructure that are Quite strong and coming from many bilateral actors at the moment, and then the need for uh, for strong territorial and spatial planning, which tends to be a lot slower, um, and goes through much more uh, deep uh, bureaucratic processes often to, to 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 finalize, and I think that this tension oftentimes um, results in accepting the financing for infrastructure that doesn't necessarily take into account uh, territorial and spatial planning and then the second question comes actually just listening to uh, professor moraconi speak about some of the methodological challenges i guess it's, it's about how uh, this issue of decentralization really complicates matters um, we know sometimes that uh, Countries remain too centralized. But then we have examples, such as in the case of Ghana, where I do my research. Where decentralization has gone so far that you continue to break down uh, cities and administrative districts are at the lowest level to the point where these um, these districts and wards can no longer function because they don't have adequate financing, they don't have adequate staff and capacities, and so you're actually undermining the point of decentralization. So not only is it a problem in terms of actually being able to do useful research and deal with cross boundary issues like infrastructure and transportation, but it also uh, basically um, erodes the possibility of local government actors to do their work so i'd be really interested in hearing if any of the panel members particularly uclg might be able to respond to that thank you i think Brille also wanted to ask a question maybe you can do it and then pass back to the panel uh, yes um, i had a question actually for for luke who spoke about sort of the using and, and thinking of informal settlements as sort of these agile parts of cities that can easily adapt and potentially help with climate resilience so i was just wondering if you had any any examples where you feel that cities are really trying to uh you know sort of reap the power of this agility of these informal settlements so if you had any experience where um any examples that you could give of any cities that you've seen thank you So, who from the panel wants to have a go at the questions? You can, please. Oui, euh, merci beaucoup. Ainsi je prends les le deux questions, celle de Brûlé et celle d'avant, qui parlent de comment on, 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 comment on navigue, comment on, on, on fait une... Euh, on réconcilie les priorités stratégiques des pays des partenaires au de développement avec l'évidence qui ressort des, des, des défis des, des territoires. Euh, je pense que euh, de plus en plus, on, on trouve en Afrique des gouvernements qui ont choisi de faire la coordination euh, des actions des, des partenaires au de développement. Et c'est ça, le présent et l'avenir. Il faut que les gouvernements euh, prennent sur eux de coordonner l'action des partenaires de développement. Les partenaires peuvent se coordonner entre eux euh, au niveau national, ils peuvent se coordonner entre eux, mais quand ils ont un interlocuteur qui doit assurer la coordination, donc les priorités d'investissement, il faut que ce soit le gouvernement. Et le gouvernement doit pouvoir dire merci pour vos priorités, merci pour ce que vous voulez faire avec nous, mais voici ce qui est important pour nous, qui est une priorité pour nous. Et le gouvernement doit avoir la, euh, la capacité de, de dire pourquoi. Donc, dire quelles sont ses priorités et pourquoi, et inviter les partenaires à regarder ces priorités plutôt qu'à vouloir imposer leurs priorités. Il y a beaucoup de gouvernements qui le font. Euh, c'est le cas au Rwanda, c'est le cas au Bénin, il y a beaucoup de gouvernements, de plus en plus, c'est le cas. Donc, c'est ça qui est la solution à mon avis. Brilène, euh, je ne connais pas pour le moment de, de, de pays où, le, pour construire la résilience, on, on tient compte du potentiel des, de, du secteur informel. Mais je pense que c'est cela même l'avenir si on veut vraiment construire la résilience, parce que l'Afrique est la région au monde la plus vulnérable au choc climatique. Mais cette vulnérabilité n'est pas due à la nature des chocs. Cette vulnérabilité, elle est surtout infrastructurelle. Et c'est une vulnérabilité liée aussi à la capacité des, des populations à s'adapter et à être résilient. Donc, quand on est face à cela, euh, il faut non seulement euh, rattraper le retard euh, infrastructurel, mais aussi mobiliser le potentiel des, des populations pour que ce retard soit rattrapé au meilleur coût. Euh, donc, euh, encore une fois, il ne faut pas faire du haussmanien. Dans ce cas-là, euh, on a des exemples dans d'autres pays euh, où la résilience a été construite avec les populations. Et, et encore une fois, c'est très important quand on parle de résilience, de tenir compte de, de ce que euh, vous pouvez faire un projet d'adaptation au changement climatique. Mais pour construire la résilience, si vous ne la faites pas en mobilisant les ressources internes, vous n'avez pas construit de résilience. Okay, thank you, thank you very much. Um... i have one more question uh, and and luke it's again for you but because i didn't introduce you again for the panel because we introduced you before but you're also an architect by by training i believe so <laughs> i think we heard a lot of the urban planning the economic side of um... i read an interview in 2017 with kunle ademi it's a nigerian architect and then he was interviewed because they did a project in 1997 in Lagos and then 20 years later they went back there and then at the end of the interview he was asked what can other cities in the world le learn from Lagos and his answer was don't panic in 20 years lagos has almost completely transformed itself why panic so on a more positive note do you agree with that and and what are the, the changes that in 20 years we can we can dream about. Well, uh, 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 Lagos is uh, an incredibly vital uh, city. You just wonder how they manage that. Uh, it, 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 well, for me, uh, I I can't cope with the ability of people to to adapt in in Lagos, but I i really don't agree with him we don't have the luxury of just not to panic of course we do not we shouldn't panic but we should we, we have to act and time is not on our side what is needed is leadership the right leadership the leadership that uh, really understand that uh, urbanization or investing uh, in uh, urban infrastructure capitalizing on informality is the way to go the leadership that is humble enough to work with the people to listen to them and to understand uh, the, the, their own assets and what it takes to 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 take into consideration while bringing new investment uh, that is the type of leadership that is needed but that type of leadership uh, that is able to elaborate the, the value proposition of a, of, of, of a city for its own territory. That's where the vision comes. The, the leader must be able to elaborate this is my city, this is the potential of my territory. What will the city bring to its territory uh, from now to the future, uh, five years or 10 years? If you bring that to the table, you can, of course, build convergences if you can't build a consensus. So I think that is key. Donc, avec une bonne leadership, nous we, we don't need to panic. paniquer. Mais il y a des. OK, OK. I think... Oui. Euh, merci beaucoup. Euh, J'avais une question à, à soumettre à, à nos panélistes et, euh, et aussi une question à, au groupe président sur notamment Africa Police. Euh, ma première question, c'est euh, par rapport aux enjeux, aux enjeux de l'urbanisation en Afrique, et notamment euh, la question des inégalités et no les inégalités économiques et les inégalités au niveau spatial. Alors, je m'explique. Euh, généralement, on présente l'urbanisation. Euh, vous avez parlé de la macrocéphalie urbaine qui caractérise bon nombre de, de pays en Afrique. Euh, Cependant, ce qu'on observe à la périphérie de pas mal de villes, notamment par exemple le cas de Bamako, c'est qu'il y a un, un phénomène d'accaparement des terres et cet accaparement de terres, c'est euh, possible parce qu'il y a des gens qui ont les moyens d'investir massivement, d'acheter des, des centaines d'hectares au fur et à mesure et donc de... de de mettre en place des, des clôtures, des barbelés, faire mener des projets de développement, etc. Et donc, euh, de plus en plus, ce phénomène est, euh, se diffuse, non sans la complicité euh, évidemment des, de ce qui permet justement ce, cet accaparement des terres. Et on parlait tout à l'heure du fait que certains, dans certaines grandes villes, il y a euh, une partie de la population finalement qui désertent les centres-villes, ça s'explique à la fois par le niveau en fait, de vie, euh, le coût du, du loyer qui fait que les gens n'ont plus euh, les moyens de se loger dans certaines parties-là et donc ils partent à la périphérie, mais ce ne sont pas les mêmes périphéries. Je veux dire, l'échelle d'analyse, euh, c'est assez différent. Il y a des périphéries où les gens ont les moyens d'investir, il y a des périphéries où les gens n'ont pas du tout les moyens et c'est là où, je pense, que le rôle des décideurs et des politiques publiques est énorme. C'est comment rendre une certaine justice au niveau spatial, comment tenir compte de ces inégalités-là et réaménager finalement et repenser la ville en Afrique. Donc, ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est beaucoup plus par rapport au projet Africa Police. Depuis le début d'Africa Police, je ne sais pas si l'équipe a eu des retours de la part des États. Euh, sur euh, comment ils utilisent ces données, est-ce qu'ils sont au courant, comment ils, ils, ils les utilisent dans leur politique de développement. Merci beaucoup. Allez, allez, merci. Oui. Euh, je me lance sur la première question euh, parce que on vient de, de finaliser des travaux euh, dans le cadre euh, d'un du, comité qui s'appelle le comité technique euh, foncier et développement sur euh, la conversion de l'usage des sols euh, en cours euh, essentiellement sur euh, l'Afrique euh, et qui des conversions ordinaires, c'est-à-dire pas les grands projets, euh, euh, les grandes villes nouvelles ou les grandes zones économiques spéciales, et qui montrent en fait qu'il y a une diversité des, euh, des pratiques que vous identifiez d'achat en amont d'urbanisation, euh, de stérilisation en fait des terres agricoles, de mise en friche des années avant que ça soit urbanisé. Euh, qui sont, enfin, qui, qui pour moi éclaire en fait quand même euh, l'urbanisation avant le bâti. Euh, et peut-être qu'une euh, qu'une prochaine étape de Africa Police, ça sera de de prendre en compte euh, les mises en friche euh, dans l'anticipation de de l'urbanisation, parce qu'aujourd'hui c'est pas tellement le cas, euh, sauf erreur. Euh, donc voilà, donc je, je vous incite à, à regarder ça parce que c'est vraiment intéressant et ça montre quand même que c'est plus compliqué en termes d'inégalité, que c'est plus compliqué qu'un seul acteur. Il y a aussi des stratégies individuelles, euh, des stratégies familiales, euh, des agriculteurs qui préfèrent vendre que, que perdre leur terre. Donc il y a, il y a une multiplicité de, de réalités euh, et voilà, que ce travaux présente mais c'est un, un point très important et, euh, et qui me permet juste de faire le lien avec la question d'avant sur la question des temporalités, sur comment euh, euh, répondre à l'urbanisation à court terme et à long terme. Et je pense qu'effectivement, ça doit être coordonné par les gouvernements nationaux et locaux et en ayant un peu cette double approche de répondre à des enjeux urgents euh, des populations et à la fois... Euh, se projeter à 10, 15 ans, ce qui est possible avec les données euh, Africa Police, par exemple, en déjà anticipant certaines infrastructures, certains axes pour les, euh, pour les consolider euh, dans, dans la durée. Euh, donc, ça, c'était sur, euh, voilà, sur, sur, sur cette question. Voilà. Nous avons fait une étude il y a quelques années au Bénin pour comprendre. Euh, les dynamiques de la spéculation foncière. Une partie de ça est liée au fait que euh, le, le logement n'étant pas financé, euh, la plupart des, des, des Béninois urbains achètent deux, trois parcelles dès qu'ils peuvent. Ils spéculent et ensuite, ils en vendent un ou deux pour pouvoir construire sur le troisième. Et cette construction-là peut prendre 10, 15, 20 ans. Donc, c'est de la stérilisation foncière. Et, et pendant qu'on fait ça, euh, vous trouvez parfois des périmètres, des, des zones, des quartiers entiers qui ont été déjà entièrement viabilisés. Euh, J'en vois un à, à l'esprit, là, à Cotonou, dont la viabilisation remonte euh, aux, euh, aux années 65, où il y a l'eau, l'électricité, le téléphone. Et aujourd'hui, dans ce quartier-là, euh, un tiers du foncier est insuffisamment mise en valeur, c'est-à-dire que le bâti, la valeur du bâti est inférieure à la valeur du foncier. Donc on a la ville, on a viabilisé là, et c'est quasiment maintenant en centre-ville, c'est insuffisamment mise en valeur, pendant que plus loin euh, le, le sport des, des maires, euh, c'est de faire des lotissements. C'est une c'est une formule inappropriée que d'appeler ça des lotissements. En fait, on en fait du, mon, du morcellement de terres agricoles qui permettent la spéculation foncière. Donc aujourd'hui, dans le développement, il faut pouvoir euh, interdire, je dis interdire, donc ne plus autoriser euh, de, de, de telles opérations euh, qui sont des opérations de, de, de stérilisation foncière, ne plus autoriser ça, pour pouvoir, euh, euh, comme euh, Patrick l'a dit ce matin en nous faisant rêver, qu'il faut... Euh, en même temps qu'on règle les problèmes urgents d'aujourd'hui, et réserver les, en tout au le moins les, les empreintes euh, foncières nécessaires pour les équipements de demain, mais les réserver, les préserver, les sécuriser, pour que le moment venu on puisse les utiliser. Approaches. I think Jose is sitting next to you. He can later then talk about the example with Mozambique. And I know there was also exchanges in Togo, and we had exchanges in AfriStat. So obviously there are national definitions, and they have their justification. But it's good also to use different approaches to to see a different reality. But I think you can go into more depth afterwards. I think we are we are done with the panel. We come to an end. Thank you very much for for the panelists here. Thank you very much, Alice and. And I'll be John. And Marie Jean. Marie, she... Alors maintenant, nous allons nous allons conclure. Donc, je, je, je crois que la, la présidente va, va revenir avec un certain nombre d'entre en, vous, comme Jean, euh, le s'il et Philippe, Philippe Thomas. Bon bonjour à tous. Oui, bien bon ou bien c'est bon après-midi ou c'est bonsoir, je sais pas trop. Merci à ceux qui ont participé au lancement de l'édition 2023 hein, de Africa Police, je vais d'abord revenir là-dessus avant d'aller dans la séance de clôture. Je crois que c'est un outil très important et au fil des années, le CESAO a produit une série de rapports et générant des preuves et des idées nouvelles sur les villes et l'urbanisation en Afrique. Les rapports sur la dynamique de l'urbanisation en Afrique, donc Africa Police, nous permettent de voir, et vous avez suivi vraiment les échanges très riches, comment cet outil et sa mise à jour permettent de disposer d'informations très utiles pour le développement de nos villes, donc pour éclairer la décision de politique. Sur le développement des villes et aussi sur le développement en général. Donc, je voudrais vraiment très sincèrement vous dire merci. Ce rapport met en lumière et décrire certains des défis politiques les plus importants de l'Afrique et n'ont été possibles que grâce à Africa Police, la base de données, et je pense qu'on ne va pas rougir, il faut le dire, la plus importante et la plus complète sur les agglomérations urbaines en Afrique. Africa Police est bien sûr une base de données, mais c'est plus qu'une base de données. Comme je l'ai dit, c'est un outil d'élaboration des politiques qui nous permet d'améliorer notre compréhension et donc les politiques de transition urbaine en Afrique. Notre compréhension donc des politiques de transition. Africa Police montre le grand nombre et l'émergence constante de nouvelles petites agglomérations urbaines et celles-ci sont souvent invisibles malheureusement on ne met pas en exergue dans les statistiques publiques, cela est ressorti, et dans les débats sur les politiques publiques, on a vu effectivement les défis et au niveau local, et, mais au niveau central aussi, et l'intensité des liens urbains-ruraux, et les avantages pour les zones rurales de la proximité des infrastructures, des opportunités, des services urbains, etc., etc. l'émergence de grappes de villes transnationales et la façon dont elles peuvent jouer un rôle important dans l'intégration continentale de l'Afrique. Je pense que le fait que nous ayons des organisations régionales à côté de nous, cela signifie qu'il y a un rôle aussi au niveau de ces. Au-delà des pays, ces organisations ont un rôle à jouer. J'aimerais vraiment mentionner ici que je suis particulièrement heureuse de voir un nombre croissant d'institutions africaines utiliser ces données et collaborer, ce qui souligne l'importance de notre travail au-delà du CESAO et met en évidence le rôle novateur du Club de Sahel et de l'Afrique de l'Ouest dans la production de données uniques qui répondent aux besoins des divers pays et institutions. La révision donc d'Africa Police 2023 que nous venons aujourd'hui de célébrer, est une étape importante dans la création de connaissances sur le système urbain émergent de l'Afrique. Un système d'une diversité, aussi d'une complexité et d'un dynamisme incroyable. Donc je voudrais ici remercier tous ceux et celles qui sont venus au lancement de cette initiative. Et maintenant, dire quelques mots par rapport aux travaux que nous avons menés depuis hier. Il est important de voir qu'au-delà de cet outil central qu'est Africa Police, je peux dire que c'est un flagship, <laughs> in, vraiment un produit phare au niveau du CESAO. Il y a eu un certain nombre de travaux qui ont ici été aussi réalisés. Je ne vais pas les citer tous. Il y a l'outil Carta, par exemple, qui nous a été présenté. Il y a des études qui ont été faites sur les territoires, sur les frontières, sur les questions de sécurité alimentaire et de la gouvernance au niveau du secteur. Donc, un certain nombre de travaux ont réalisé. Notre souci ici à l'heure actuelle, mais c'est aussi notre espoir, c'est de voir que tous ceux qui travaillent, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional ou continental, que ce soit au niveau des institutions partenaires qui nous accompagnent, dans les politiques de développement et de coopération, notre souhait et notre espoir, c'est de voir que tout cela, toutes ces études qui ont été réalisées, c'est une mine d'informations, une mine d'outils et d'aide à, à la décision, que cela puisse vraiment être utilisé. Je crois que c'est l'engagement que nous devrions prendre tous ici au niveau euh, du César. Et du, GOP, du groupe d'orientation politique. Je voudrais ici aussi saisir l'occasion pour saluer tous les partenaires. Quand je dis le partenariat, les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, mais aussi les partenaires qui nous accompagnent. Je ne vais pas les citer aujourd'hui. Nous avons demandé à l'Union européenne d'être là pour représenter donc les partenaires au développement, pour montrer donc comment cette plateforme est une plateforme multiple qui nous permet de nous enrichir mutuellement de notre diversité. Donc, c'est pour ça que l'Union européenne est ici. Et j'espère que le partenariat sera aussi beaucoup plus vaste et que ceux-là qui sont autour de la table pourront en inviter d'autres pour que nous puissions continuer déjà à enrichir ce que nous faisons très bien. Je voudrais ici me permettre de remercier et de féliciter l'équipe du secrétariat. Pour le travail qui a été abattu, le travail de fond qui a été fait. Remercier toutes les personnes aux ressources qui nous ont accompagnés, qui continuent de nous accompagner. vu les présentations qui ont été faites, les gens du monde de la recherche, des académiciens, des acteurs du développement. Je voudrais vraiment vous remercier tous. Remercier ceux et celles qui travaillent dans l'ombre, les invisibles, qui nous permettent justement de tenir cette réunion du GOP. C'est parce que certains ont traduit, produit les documents, préparé la logistique que nous sommes là aujourd'hui. Je ne vais pas naturellement oublier l'OCDE qui euh, héberge le secrétariat du César pour tout le support et tout le soutien dont nous bénéficions. Donc, euh, mon dernier message, c'est de souhaiter un retour à vous tous dans vos familles respectives, à vos postes de travail. Vous dit donc que la clôture de ce groupe est un début parce que le chemin est long, mais nous avons un but, nous avons une vision, nous avons une mission, et c'est ensemble que nous allons y parvenir. Je vous remercie.